Eh bien le bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ici Draken sur Evasion Studio, on se retrouve ce soir pour du Borderlands et ses TLC, et je suis accompagné de Jake. Bonsoir Jake. Et salut. Du coup ce soir nous allons continuer notre petite aventure sur les DLC de Borderlands. Donc on n'avait pas encore commencé, mais on avait... Non, je sais même pas si on les avait vus. DLC, non, on les a pas commencé. Ouais, non, on n'a pas encore commencé. Par contre, il faut que tu me Alors, réinvites. réinvite. Alors, je Ouais. réinvite Jake qui va s'envoler. Hop, alors du coup, je regarde si le stream tout va bien. J'attends que Y tu a arrives. rien. Je clique, mais j'ai rien en fait. Oh, Attends. je vais relancer le jeu, je pense. Ah non, attends, je vais Peut-être que peut-être je vais. relancer moi, t'inquiète. Peut-être parce que je. Après, ça fait depuis 8 heures que j'ai lancé le jeu. Donc, attends, je relance. Je vais voir si je t'invite avant. Voilà, là, je t'ai réinvité. Comme ça, tu n'es pas in-game. Ça, je peux faire muet. Non, je peux pas faire muet. D'accord. Et comme ça, tu seras au moins. On sera dans le lobby, on sera pas embêté. Touk. Tu t'as reçu ou pas là? Là, je le veuillais patienter, je charge. Ah, ok. Donc là, normalement, tu vas arriver dans le lobby. Donc, Ok. activer joueur muet sur toi. Et je fais jouer partie. Donc là, normalement, tu vas être en chargement. Normalement, tout devrait bien aller. Donc Je là, charge. j'attends que tu charges. Donc du coup, le stream et YouTube, on va faire ce soir le premier DLC de Borderlands, premier du nom, qui est le DLC sur Halloween. Alors le nom, j'ai plus le nom en tête, mais ce sera sur l'horreur, les zombies, etc. Donc ça promet. Tu me dis quand c'est bon, quand t'es Je ready. suis avec toi. T'es ready? Et ben alors c'est parti. Alors, que je me souviens, le premier DLC, c'est The Jacob's Cove. Donc c'est parti. Alors, hop. Je sais plus s'il y a une cinématique. Si, il y a une cinématique. Bien sûr, je montre pas le jeu comme un con. Voilà, désolé le chat. Ah bah oui, et j'ai sauté la cinématique. Ah mais c'est pas. Désolé. J'ai fait du caca. J'ai fait du caca, il n'y a plus la cinématique. Attends, est-ce qu'il y a moyen de trouver la cinématique sur YouTube? Je la montre rapidos. Changement d'ambiance dans les couleurs du jeu. Borderlands DLC 1. Ah oui, là c'est carrément changement d'ambiance. Alors, DLC l'armurerie secrète, ce n'est pas ça. Alors, cinématique. Est-ce que. Jacob. Allez. Allez, la vidéo YouTube charge. Et vidéo YouTube, elle peut pas charger. Ah ben, un jeu, un stream plus une vidéo YouTube. Non, 100%. Alors juste. Allez! Allez, hein. Oui, carrément. Il aime carrément pas là. Toi, je te mets en pause, j'ai pas besoin. Oui, je le mets en 1080p, il aime pas du tout là. Mais là, ça ne ça va. Ouais, niveau KV, ça va, je suis bon. Ouais, alors c'est peut-être moi avec YouTube, je sais pas, on va tester une autre vidéo. Non, les autres vidéos fonctionnent, c'est juste celle-là qui aime pas. Alors, nana. Alors, hop, donc du coup. Bougez pas, je vais vous montrer la cinématique. Il faut que je change. Display capture. Écran numéro 1. Tu te mets en grand. Tu fais ceci. Tu fais qu'il me capture et tu fais ceci. Tac, tac, tac.
Alors je vais mettre quand même en 1080 s'il te plaît. Voilà, non, c'est bon, ça passe. Alors du coup, voici la cinématique avec le son. Tout a commencé par une nuit sombre et orageuse. Dans un coin de Pandore où personne n'ose s'aventurer. La quête de l'arche insaisissable achevée, nos audacieux aventuriers marchaient sous les arbres qui... C'est quoi un arbre? C'est pas vrai. C'est une grosse plante qui pousse très très haut. Oh, comme ça? Arrête de m'interrompre. Bon. Ils marchaient sous les arbres de Jacob's Cove, une terre abandonnée depuis des lustres. C'était là que le docteur Ned, à ne pas confondre avec le docteur Z de l'autre histoire, en voulant contribuer au bien-être de l'humanité, a causé un tas d'emmerdes. Hé, hey, c'est un gros mot. Oui, mais il a créé des zombies. Et je parle comme je veux. Écoute bien. Alors, il s'est passé des trucs horribles, vraiment flippants. Et c'est là que commence notre histoire. Et c'est vraiment passé, ton histoire? Oui. Pour l'essentiel. A été adopté. Et voilà la petite cinématique. C'est voilà. Très graphique. Ah oui, bah, les cinématiques de Borderlands sont toujours très. Il y a toujours beaucoup de dessins. Donc bon, au moins vous avez eu les cinématiques. Et du coup, merci à JRMJ2 qui a mis la vidéo sur YouTube. Hein. Et pour la prochaine fois, je penserai à montrer l'écran avant. Est-ce que ma tête est revenue? Ma tête est revenue. Et du coup, c'est parti. Donc nous voilà à Jacob's Cove, endroit où vit le docteur Ned, le frère du docteur Z. Et le petit Claptrap qui est ici. Alors, le Claptrap vous a informé de l'infestation zombie toute proche. La ville est habituellement protégée par des tourelles. Comme une menace, je vois tout le monde. Là, en gros, on doit recalibrer les tourelles. Quelque n'appartenant pas à la Jacob's Corporation, j'ai été piratée pour signaler aux visiteurs qu'elle a besoin d'aide pour résoudre un pénible problème de mort vivante. Sachez cependant que ceux-ci têteront votre cervelle comme un biberon à la moindre occasion. Si au mépris de tout raisonnement, vous désirez nous aider, je vous suggère d'activer les défenses de la ville. Sinon, comme un biberon, n'oubliez pas. Bonne journée. D'accord. Voilà. Donc, première mission, c'est d'activer les tourelles. Donc, la petite map, elle est là. Donc, il faut... Alors, je crois qu'on peut passer par la maison. Non, la maison, elle est fermée. Hop. Du coup, c'est parti. Yeah. Donc, ça fait vraiment Halloween. Hein. Ça, il n'y a pas à dire. Ils ont bien géré le décor. Je trouve... Mais ce décor-là est mieux que le... Enfin, ouais, pas le jeu de base, mais surtout dans le... En fait, dans Borderlands 2, t'as aussi un DLC pour Halloween. Mm. Et donc là, hop, on a trouvé des cerveaux. Un cerveau avec des asticots, je sais pas, apparemment, ce sera pour une prochaine quête, je pense. En gros, il y a aussi un DLC pour Halloween, mais il est plus humoristique, en fait. Lui, je le trouve vraiment, ça fait vraiment Halloween, tu vois, avec les zombies. Surtout qu'en plus, les zombies, sont bien faits. Sur ça, ils ont géré. Je sais pas pourquoi on récupère des trucs. Alors, bien sûr. Ah, c'est peut-être parce que quand on fait des coups critiques, on récupère des cervelles. Pardon, monsieur. Par contre, faut m'expliquer comment un zombie se balade avec un lance-roquette. J'ai l'impression que c'est une vague de zombies, un peu comme dans Plants vs. Ah, peut-être. Attends, parce que là, elle commence à piquer. Surtout qu'en plus, leur boue te ralentit énormément.
Il faut faire attention. Donc c'est vraiment ils te ralentissent pour venir te bouffer quoi. Hop. Après faut te... enfin je sais plus s'il faut rusher sur les deux, ça m'étonnerait. Mais... Puis la musique, je trouve, je sais pas si moi ça me fait, elle me fait penser à la planète du potion. Non, j'ai pas la musique, donc je ne peux pas te dire. T'as pas la musique? Non. Ah. Mais t'as pas la musique. Je ne sais rien. Fais un... Oui, non, faut... non, je vais dire, fais un contrôle, enfin, Alt Tab, mais... T'as pas une petite musique d'ambiance? Je regarde dans les paramètres du jeu. Comment on fait? Option. Échappe, option, audio et volume musical. Non, même en le mettant à 10, j'ai pas de musique. Mais ça doit venir du jeu. Bon. Ah, ah mince. Parce que, en fait, la musique, c'est un peu. Elle me fait penser à la musique de l'espace dans la planète Oppression. Tu vois, la musique d'accord. Un peu calme. Enfin, l'espace, le vide, quoi. Alors, Jacob's Cove. Qui est infesté de zombies avec des tourelles Gatling. Il y a un truc que. Là, faut les détruire. Ouais, en fait, il faut pas les détruire, il faut les juste aller sur elles, et il faut appuyer sur utiliser. J'ai avancé pour les utiliser, parce qu'en fait, là, tant qu'on les utilise pas, les zombies vont spawn à l'infini, en fait. C'est pour ça. Du coup, au secours. Ouais, t'as vu, t'es ralenti de ouf, hein, quand même. Ouais. C'est horrible, hein. Du coup, là, il ne reste plus qu'une seule tourelle. Ne glissez pas sur votre Elle est là-bas. Et en fait, on est obligé de désactiver, sinon il remonte à l'infini, en fait. Oui, bah, c'est ce qu'on fait, Captra. Hop, il faut juste... J'attends juste le bip-bip, et voilà. Les tourelles, elles sont activées, au moins, on sera pas embêté. Alors, donc on a mis les tourelles et on a de l'XP. Du coup, maintenant il faut trouver le docteur Ned. Alors, le Catrap a dit que vous pourriez aider un docteur à stopper les zombies. Trouvez le bureau du docteur Ned sur les quais et découvrez ce qui se trame. Sachant que c'est lui qui a créé les zombies, hein. Comme dit dans la cinématique. Alors. Ça ne sert à rien. Oh, les grenades, c'est pas mal. Alors, c'est parti. Du coup, ouais, le clatrap, il va nous ouvrir la porte. Quel dommage que notre aventurier doive finir dans l'estomac des zombies. Non, clatrap, j'ai pas trop envie. Et maintenant, je vois que vous connaissez. À bientôt, aventurier téméraire. Profitez bien de Jacob's Cove. Alors, building, ça voilà. C'est parti. Oui, il y a des corbeaux. Oui. J'avais pas vu. Et la chasse aux corbeaux? Ouais, c'était de l'XP. Comme ça, ils vont tous venir sur nous. C'est en fait, c'est l'équivalent. C'est l'équivalent des racks, en fait. D'accord. C'est les racks, mais avec un nouveau skin. J'arrive pas à les lire. C'est bon. Ils sont tous morts. En plus, ils font les. Là, c'est littéralement, ils font le même bruit que. Ils font le même bruit que les rats. Quoi. Des zombies veulent vous déchiqueter. Achetez un bouclier voilà. Soin et bouclier à l'instant santé pour les moments où le bouclier cède quand on en a le plus besoin. Bouclier, moi, il m'intéresse. Il t'intéresse. Si ça ne suffit pas. Ah bah, je l'ai pris, mon bouclier. N'hésitez pas à venir à mon cabinet sur l'eau de Jacob's Cove. Hop. Du coup, tu me dis quand t'es prêt comme ça. Vas-y, vas-y. Donc voilà, le docteur, sauf que le docteur, il est pas là. Et du coup, on doit trouver la maison des Damned. Ou Damné. Trouver et contacter le docteur Ned dans le bayou. Le bayou. C'est parti. Ah, attends, on va aller prendre l'émission sur le panneau des primes, parce que sûrement... Je sais plus s'il y a...
je regarde la map, je sais plus s'il y a une autre zone. La maison des dames. Si, si, ouais, si, il y a d'autres zones. Période transitoire. Ah oui, on a quand même pas mal de nouvelles quêtes. Alors, enquêter sur la disparition de Hank Reitz, tous les œufs dans le même panier, et trouver, tuer la mythique tête de citrouille. Du coup, c'est... Ils sont tous dans cette zone-là, je pense. Allo, Hans, Jacob's Cove. Ah bah, on doit trouver des... Ah oui, bah tiens, ici, on doit trouver des enregistreurs échos. Anna chérie, écoute, je viens d'arriver à Jakobskov. Tu seras contente d'apprendre qu'il s'agit d'une petite ville joyeuse et dynamique. Je sais que la séparation d'avec toi et les enfants sera dure, mais ce n'est que pour quelques cycles. C'est trop bien payé pour passer à côté. Je vais travailler dur et je vous rejoindrai très vite, toi et les filles. En attendant, mon frère s'occupera de vous. Je vous embrasse. Hank. Oh, lui, il va mourir, je pense. Oui, bonne chance. Ah non, il faut faire tout le tour. Ah, il faut faire tout le tour. Oui, bah oui, il y a de grandes chances qu'il meure, hein, je pense. Parce que de toute façon, là, on doit retrouver tous les échos qu'il a laissés. Donc, m'étonnerait pas qu'on finisse en mode zombie, qu'il finisse en mode zombie et que. Oh non, je suis tombé. T'as vu ? Ah, t'es tombé aussi. Ah, ouais, non, t'inquiète, non, on peut tomber. Normal ? Ouais, ouais, c'est normal, ouais, t'inquiète. De toute façon, on doit faire tout le tour. C'est bon ça. J'ai trop l'habitude de. Du dernier jeu de Nintendo Wonderland. Oula. C'était... J'ai fait un glitch, là. Parce que Tinitina, tu peux faire des glissades. Quand tu sautes, ça t'agrippe automatiquement et ça monte automatiquement les bordures. Alors, tous les œufs dans le même panier. Ah bah attends. Faut qu'on aille récupérer. Ah bah. Ah bah mince, ils sont morts. Ah bah non, attends. Ils sont morts, mais du coup, il faut attendre qu'ils respawnent ou... Ah bah ouais. Faut attendre qu'ils respawnent. On aurait pas dû les tuer. Moi, j'aurais pas dû les tuer, en fait. Parce qu'en gros, on va dans l'eau, ça fait quoi ? Tu peux aller dans l'eau, je crois. Alors, il faut... tu peux aller dans l'eau, mais il y a la limite. Oui, non, c'est juste... Tu l'as mis, tu vois là. Ah ! Et bien le bonjour à toi, bien le bonsoir à toi Mathéo8660 et merci pour ton follow. Ouais, 660 c'est le Tarn ça. 660 je sais pas. Alors là, sur ça je te laisse répondre. Oui, oui, c'est le Tarn à côté. C'est parti par ici. Du coup on va voir ce qu'est-ce qui est arrivé à Frank Reitz. Il y a des zombies. Ah, les zombies crashers. Alors. Ils font. Ouais. Bah, surtout que c'est. En fait, ils font beaucoup de dégâts au corps à corps, en fait, apparemment. Ouais. Il y a un tonneau. Ils se font par derrière. La tourelle. Faut que je change de flingue, moi, parce que mon flingue, il est pas bon, il y a que 2 balles. Alors. Ah oui, d'accord, il se cache dans les murs. Il sort par le trou, les bon. Murs. Hop. Alors, il y en a là-bas. T'es encore en train de te faire attaquer? Non, je suis en train de... Parce que, attention, il y en a encore, hein, ils sont en train de spawn. Hein. Hop. Et je vise combien de pieds? Devant moi, lui, j'avais même pas vu. Ouais, non, mais. Moi, puis tout à l'heure, en fait, j'essaie de les tuer, mais ils spawnent à l'infini, on dirait. Alors, lui, par contre, il est bourré, je sais pas ce qu'il a fait. Mais... En plein dans le t'es sur derrière toi. J'ai un viseur. C'est mieux que je n'utilise pas mon viseur. Lui, il va où, lui? Hop, on va le tuer au cac, et il y en a encore un. Voilà, bon. On en a tué plein.
Alors, le système écho, il est par là. Par des ennemis. Ah, zombie sadique. Tiens. Ah mince. Zombie sadique, zombie nabo. Oula, oula, d'accord. Alors, les nabos, fais attention parce qu'ils te sautent dessus. Hein. Cible touchée. Alors, le mieux, c'est que tu, fais tu peux leur faire des dégâts au corps à corps, je crois que ça fait plus de dégâts. Par contre, les cervelles, je sais pas du tout à quoi ça sert. Alors, Ancreyes. C'est un travail dur, mais honnête. Oh, et les arbres, Anna. Les arbres sont merveilleux. Tu n'en croirais pas tes yeux. Ouais, bah. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Parfois, je suis un peu triste de les couper. Mais je pense à mon retour avec assez d'argent pour prendre un nouveau départ. C'est quoi qu'il y a sur sa tête ? Ferme au Daledland. T'as vu sa coiffure ou pas? À qui? Ah, ah c'est... En Cries. Des pattes. Je sais pas ce que c'est. Je viens de le remarquer. Des pattes, des cubes. C'est... Ouais, on dirait des... C'est quoi cette coupe? Au premier abord, j'aurais dit des balles vides, mais non, c'est pas du tout ça. Bah ouais, franchement, j'ai pensé pareil que toi, des cartouches de balles, mais... C'est... bizarre. Faut monter un peu. Un chapeau confectionné par sa femme. Ah, ah bah je ne savais. Je savais même pas. Ah, peut-être qu'il le dit après. Ouais, c'est un collier de pâte. Enfin, un collier, ouais. C'est un chapeau de pâte. Ouais. Voilà. Vive le cadeau, quoi. Je dis pas. Ah, tiens, il y a des corbeaux. C'est bien, on va pouvoir récupérer des os. Des œufs. Bon. Allez. Venez. Attends, on va... Ah oui, j'ai pas oublié son nom. Oui, c'est eux, mais ils vont arriver. Ils vont arriver normalement. J'en ai attaqué un. Voilà. Et du coup, maintenant on rush pour récupérer les œufs. Ça, Marcus, il va être content. C'est un à chaque fois. Ouais, un par. Alors. Ah bah, je suis bête, j'aurais dû mettre ma tourelle. J'aurais dû mettre ma tourelle. Efficacité avant tout. Ouais. Ah voilà, c'est comme dégâts. Si on était toute une équipe. Récupérons les œufs. On arrose et on les crée. Pendant ce temps-là, la tourelle. J'adore ça. Ah bah c'est bon, on a tous nos œufs. Déjà ? Bah apparemment, ouais. Ah non, attends. Ouais, si, 25 sur 25. 25. Bon, c'est bon. Ils sont beaucoup quand même. Alors tu vois c'est un... je comprends pas pourquoi on a fait la quête mais enfin, on les drop encore, c'est bizarre. Alors Anna chérie, j'ai remarqué des choses étranges à la Syrie récemment. Beaucoup d'ouvriers semblent tomber très malades. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a été tous examinés la semaine dernière par le docteur de l'entreprise qui nous a juste prescrit quelques vitamines. Qu'il peut, mais certains hommes sont morts. Ne t'inquiète pas, tu me connais, je suis prudent. Je t'enverrai un autre écho bientôt. On peut tenter. Oh. Non, va pas dans l'eau, va pas dans l'eau. Va pas dans l'eau, Jack. Non, je suis pas dans. Bah, du coup, on va trouver les derniers échos, comme ça on peut rendre la quête à la ville. Donc, du coup, bon, je pense que t'as compris qui c'était le docteur de l'entreprise. Jacob. Bah ouais, c'est Dr Ned en fait. Et c'est pas des vitamines qu'il leur donne. Ouais, il fait des expériences. Quoi. Ouais, c'est ça. Ça se passe. Je pense que quand par hasard il te donne des vitamines, tous les mecs sont malades. Ça sent en tourloupe tout ça. Et les cervelles de zombies, on sait toujours pas à quoi ça sert. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Je pense que ça sert à rien, c'est juste pour le mode. Juste pour le côté lore. Genre, regardez, les zombies, ils drop des cervelles. Alors, qu'est-ce qu'il dit encore maintenant, notre cher... Ma chère Anna, les choses sont de pire en pire. Avec son chapeau, ça fait pas on du raconte, tout. On raconte qu'on aurait vu marcher des morts. D'abord, au saloon, on a dit ça à la rigolade. Et maintenant, les gens chuchotent avec des accents de vérité. Ils ont des saloons. Se dit que ceux qui entrent en contact avec les morts sont toujours malades en premier. Les saloons sont aussi en premier aux éternels. A assuré qu'il était à deux doigts de mettre au point un remède.
mois, je crois. Et puis, dans 3 semaines, nous serons réunis. Embrasse les filles pour moi. Oui. Pense celle-là, mec, pense celle-là. Alors, le dernier système écho. Oh, il faut faire demi-tour. La tour de Gatine, elle a pris cher. Du coup, c'est parti. On va trouver le dernier système écho. On va comprendre qu'il est mort. On va peut-être devoir le tuer, je pense. Ce serait rigolo. Un zombie avec un skin spécifique. C'est bête, on peut pas utiliser cette tourelle. Ça aurait été marrant. T'imagines un gros mob et un gros zombie qui pop et qui utilise la tourelle qui est là. Alors. Ah, l'hôpital général. Le Mercy Hospital. Et. Bah, c'est dit que c'était la truc Halloween. Une malédiction s'est abattue sur Jakobskov. Les morts quittent leur tombe à la recherche de chair fraîche. Tout travail a cessé, et nous organisons notre défense. Mais n'aie pas peur. Le docteur Ned est proche d'une solution pour arrêter cette horreur. Je me suis porté volontaire pour qu'il teste un antidote sur moi. Ah non. Skag, ma chérie. Ces saletés de Skag seront notre salut. Le docteur dit qu'ils sont immunisés contre la maladie. Au moment où je t'écris, je suis en route pour l'hôpital, où je vais recevoir le traitement. Je suis sûr que ça va marcher et qu'on se retrouvera très bientôt. Oui. Prie pour moi. Tout à fait. Ça va être un mini-boss avant que. Ouais, il y a de grandes chances. Alors, du coup, on a récupéré une arme incendiaire. Ah, et Claptrap, il y a un bon truc, c'est que les zombies, ils... Pas d'armes corrosives. Ils sont pas embêtés avec les armes corrosives. Alors attends, juste une seconde. Dans ce cas, vas-y. Mon oiseau. Ah oui, moi j'ai mis en électrique, comme ça je suis pas embêté. Et de toute façon, là, on va changer de zone... Pour... alors, Patricia Tanis, pour donner un sniper... Et t'es passé level 37, donc normalement t'as un... Ah pardon, oui, peut-être, oui. Tu as un point. Bah ouais. Ça peut être très utile. Okay. C'est parti. Ouais, donc tu peux même pas te défendre avec les armes que tu veux, quoi. Ça c'est intéressant. C'est le. C'est pas le capitalisme, mais. C'est le monopole. Attends, qu'est-ce qu'ils disent les panneaux ? Jacob's Cove, Transport Station, alors NZ, l'hôpital. Ouais, c'est parti. Du coup, on va changer de zone pour aller dans. Hello Hands. Ce DLC là, tu sais à peu près combien de temps il dure ? Si on en a pour une session, deux sessions ? Franchement, je sais pas du tout. Si on rush alors je crois que j'avais regardé la dernière fois, de mémoire je crois qu'il doit avoir une quinzaine de quêtes. Je sais plus du tout. Alors là. Mais il doit pas durer longtemps, je crois. Après ça dépend, soit on fait toutes les quêtes secondaires, soit. Bon, on fait comme on a fait pour l'aventure principale. Ouais ouais, donc Bon, ça va après ce bug là. La zone elle est pas trop grande. Donc on va. La quête principale elle nous amène où? Elle nous amène là-bas donc on passe à côté. Oh, attends, je charge. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu charges. Vas-y. Tac. Du coup, je pense que le mieux c'est de faire la quête secondaire. Ok. Il y a beaucoup de zombies en bas. Ah, bah, faut leur dire bon. Je vais prendre l'arme légendaire qu'on avait chopée dans l'arche. La mitraillette qui fait du feu. Ça, je vais pouvoir les dérouiller. Ouais, ils vont tous cramer. Parce que techniquement, les zombies, il faut les tuer avec le feu. Hein. Techniquement, si on suit la logique de Frankenstein, il faut les tuer avec le feu. Hein.
tout prix. Par hasard, les cerveaux là, ça serait. Alors, peut-être qu'il y a quand même une utilité de genre un succès, avoir 100 cerveaux, 1000 cerveaux peut-être. Ah, je veux pas, alors là, j'ai pas. Franchement, j'ai pas vu de succès Steam sur ça. D'accord. J'ai pas vu. Après, ça peut peut-être servir pour la fin, hein, genre c'est une monnaie spécifique à Ned ou des trucs comme ça. Franchement, je sais pas. Ça fait très longtemps que j'ai joué celui-là. J'ai joué sur un Dell Optiplex 8020. Je te raconte pas comment je galérais pour jouer au jeu. C'est la première fois que quand je jouais à un jeu, je me suis tapé un blue screen. D'accord. Oh, il rampe par terre et tout. Ouais. Le jeu avait pas trop aimé que j'essaye de faire. Enfin, bouger ma caméra rapidement. Et du coup, il a fait. Non, toi, tu bouges plus. Tu bougeras plus du tout. Mais j'ai quand même réussi à finir Borderlands 2 sur. Sur celui-là. Sur le même PC. On me mord. Je vais devenir un zombie. Ouais. Par contre, tu prends cher. Ouais, c'est vrai, Sanguine, elle rajoute. Sanguine, elle est enflammée. Aïe. Oh. Attends, tu te mets pas devant, sinon je peux pas tirer sur les zombies. En fait, si tu te mets devant, je te heal. Voilà. Ah si, y en a encore derrière. Il nous encercle. Super. Je m'y attendais pas. Alors. Il y a encore du monde. Oui, il faut. Oula, 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 d'accord. Zombie suicidaire. Attention, ça fait très mal. Attends, je vais mettre ma tourelle. Il faut passer par là. On va passer par une grotte. Voilà, il y a des people. Un de plus. C'est comme si bon, après, ils donnent pas beaucoup d'XP. Hein. Ça peut être trop, hein. Non, mais il y a plein de choses partout. Ouais, mais... Après, t'auras plus de place quand tu vas devoir loot le boss. Exactement. Oh, c'est les dégâts de la grenade. 92, vas-y, je t'apprends. Moi, le cerveau, vraiment, je suis sûr qu'ils ont une utilité. C'est quoi ce bruit? C'est moi qui suis dans le tunnel. C'est génial. Non, je suis encore en bas. Hein, ça... Ouais, mais de toute façon, ils vont spawn à l'infini. Hein, C'est des zombies, hein. Donc là, le seul truc qu'on va faire, c'est qu'on va plus avoir de munitions. Par contre, j'en ai eu. Du coup, c'est par ici. Ouais, franchement, les chevaux, elle est jolie, la map. Ça change du désert... de la quête principale. Ah, on a un peu de végétation. C'est RP. Alors, du coup, en plus, c'est bien, il y a un... Ah, c'est pas toi, ça, c'est pas toi, ça. Oula. Non, c'est pas moi, non, c'est pas moi. du coup, on est dans la ville, et... Ah, oula, petit bug. Du coup, on va pouvoir vendre nos items. Alors, c'est par ici. Avec des... Je vais avec les... Oh! Il y a un légendaire si tu veux. Un légendaire électrique qui fait 97. Ici. T'inquiète, je mets ma tourelle, t'inquiète. Toujours prêt. Là si tu veux, t'as une petite mitraillette légendaire. Ouais, pas mal. Non, je suis pas sûr. J'adore ça. Du coup, bah moi je vais l'acheter. Sinon, c'est même pas une mitraillette, si c'est un. Ah, il faut le level 40, j'ai pas le level. Ça, on va vendre. Ça, on va vendre. Ça, c'est l'air méridienne, pas besoin. C'est pas ouf. Ça, je vends. Alors, ici, il faut changer. Hop!
Ah oui, mais level 40, c'est vrai. Dans 3 levels, j'ai le temps. Notre petite quête, elle est où? Tout droit. J'ai quand même liquidé la moitié de mes munitions là, sur les zombies. Hein. Donc, il faut allumer des citrouilles lanternes. Et il faut trouver un cadavre. M'étonnerait pas que ce soit le cavalier sans tête. Donc, la première, c'est fait. Et tu vois, le champ de citrouille, ça, il y a une grande chance que ce soit le cavalier sans tête, ça. Alors, le cadavre trouvé. Hop, point de repère atteint. Ouais. Alors, faire des dégâts, faut viser la citrouille. Hein. Ah oui. Heureusement que j'ai. Parce que. C'était pas ça que je voulais, mais bon. La citrouille s'illumine, c'est pas bon signe, non? Je sais pas. Voilà, oh, c'est bon. D'accord. Vous m'avez fait sauter la tête? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, des... Oh! Oh, oh, oh! Ah, bah non, tu peux le prendre. Oui, mais toi, quoi. Celui que j'ai dans mes... Il est meilleur. Bon, bah voilà. Et du coup, on va faire la quête principale. Qui est la maison des Damned. Ici et il faut qu'on retourne en arrière et du coup là-bas il y a du zombie. Oh, il y en a derrière. Alors ils sont par là-bas. Ah, j'espère qu'il faut pas monter. Non. On va voir s'il faut monter comme ça. Ou si le point se trigger si on passe à côté. J'essaie de voir si le point se trigger ou... Non, il faut aller déactiver un truc. Donc il faut faire tout le tour. Oui, il faut tout remonter. Après ça va, c'est à côté. Donc, c'est pas embêtant. Hop. Ah, en plus ils ralentissent. Attends, c'est par là? Ouais, c'est par là. Vas-y. Cerveau. Qui c'est qui m'a ralenti? En plus, avec leur skin, on les voit pas des fois. Ils font comme Solid Snake qui se met de la peinture sur la tronche. J'ai des munitions par contre. Quoique. Oui. Ah c'est bien. Alors on va passer par ici. Attention derrière toi. Hop. Dans le mille. Me dis pas qu'on peut pas monter là. Ah, il faut vraiment. Comment on fait le tour? Mais non, mais. C'était pas par là. Je suis un mauvais GPS. Faire demi. En fait, c'était... on était sur le bon chemin, mais il fallait faire sur le côté. Bon, au moins, on aura déblayé le chemin au moins. En gros, il faut monter tout là-haut. Ah, tiens, c'est... il te montre le butin qu'on a oublié, tiens. Je vais même pas faire gaffe. Alors, il faut aller par ici. Plus on voit rien quand il te crache dessus. Cible touchée. Là.
Ah, attention, ouais, les zombies nabo ils sautent dessus, donc fais attention. Oula, incendiaire. Attention, attention. Là ça va piquer. Oui, parce que les incendies, c'est des incendies. Le Tankenstein là, voilà, il balance des tonneaux explosifs. Putain, ne pas appuyer sur la touche T, punaise. Pourquoi? Ça ouvre une espèce de barre de feu. Ah oui, ça ouvre le. Le navire de commande. Ouais. Je sais même pas à quoi le sert. Hein. Je me demande peut-être. Si tu veux devenir un hacker. Non. Attention, ouais. Profanateur derrière. Ah bah c'est bien, au moins on a un point de respawn juste à côté. Alors, mais ils sont encore beaucoup. Le petit pont de Boa. Oula, parfait. Un coup d'anthologie. Oula, attention. Ah, ils auraient dû mettre une machine gun juste derrière le train, le pont en fait. Comme dans tous les films de zombies. T'as déjà vu Zombieland? Bienvenue à Zombieland. Oui, oui, oui. Il va y avoir une suite à ça, je crois. Il y a déjà eu une suite. Il y a eu Bienvenue à Zombieland 2, le retour. Je croyais que c'était en préparation. Ah non, il est sorti il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps, il y a 2-3 ans, je crois. Pour le 2, je l'ai pas vu. Oula. Il est pas... C'est comme c'est... Bienvenue à Zombieland, ça se regarde, c'est divertissant. Mais... Ouais, mais c'était une autre époque, Bienvenue à Zombieland. Et ils sont encore en train de nous courser, ceux là-bas, là. C'est où voilà. Mais ouais, non, il est pas mal. Enfin, pas mal. Ça, c'est regardable. On va dire, tu vois pas... On va pouvoir aller récupérer peut-être tous les cerveaux. Mais il y en a encore qui arrivent, c'est pas possible. Laissez-nous tranquille. On dirait des mecs qui t'appellent pour le compte CPF. Je sais que toi aussi tu étais appelé. Non, par contre je reçois des SMS. Les appels j'en reçois pas, mais les SMS... Ah, les SMS, ah oui quand même, ah oui, c'est un autre niveau. Parce que moi non, c'est les appels. Mais ça va, sur le téléphone maintenant, les SMS peuvent être automatiquement détectés en spam. Et ça en général, c'est direct en spam. Oh ça va, maintenant c'est... Ouais. Là, ils appellent et puis... C'est dommage parce que vraiment, le CPF, le vrai, enfin, le CPF. Oui, c'est pas mal. Hein. C'est hyper utile. C'est vraiment hyper utile. C'est super intéressant. Mais il y a tellement de... Je comprends pas comment on a pu laisser dériver la chose. Eh ouais. Alors, Ned, connecté. Ah, ça alors, vous avez survécu. Donc, regarde le skin quand même. Mais il va me falloir un moment avec c'est ça. C'est juste le skin de Dr. Z avec une moustache. C'est n'importe quoi. Eh ben c'est bon. Docteur Ned. Voilà. Je mets ma tourelle parce que. Ah oui, c'est lui. Faut attendre qu'il nous ouvre la porte. C'est après pour récupérer du loot. Oula, oulala, oulala. À droite. Ouais. J'essaie de péter son tonneau. J'ai bien fait de la lutte, hein. La vache. Un peu de patience, enfin. Dépêche-toi, c'est s'il te plaît. Pas la première fois que vous attendez un ascenseur à manivelle. Si, c'est la première fois. Récupérons tout le loot. Bon alors, c'est bon. Ah, j'ai qu'à la moitié.
Par contre, ce que j'aime pas trop, c'est que je vois qu'il y a des ennemis au-dessus. Aussi. Presque. J'y suis presque. Un peu de patience. Allez. Oh non, d'un zombie. J'ai fait tomber cette saloperie. Ma main a lâché. Et c'est... Ça se voit vraiment que c'est lui le méchant, hein. C'est la vache, soit il le fait exprès, soit il est très bête, hein. Pas très subtil, un Gearbox. Bah, c'est un peu de la parodie, quand même. Oui, non mais là, enfin, c'est juste, tu vois vraiment que c'est... Il fait exprès, parce que il veut qu'on se fasse bouffer, quoi. Bon, après, il te le spoil dès le début en disant, c'est lui qui a créé les gens. Alors, hop, je remets... Il reste des munitions, quelqu'un ? T'as plus de munitions ? Non. C'est une munition quoi qu'il te faut ? Snipe. Ah, bah après, ouais, change d'arme, Pierre. Eh oui. Snipe, parce que moi, j'ai du SMG, mais j'ai pas de snipe. Hein. Il n'y a pas de snipe, ici. Bon alors, c'est bon. Et là, ici, il n'y a pas ? Allez, ah, et du coup, vas-y. Venez dans l'ascenseur. Du coup, comment on fait pour qu'il monte? Il y a un bouton ou... Comment on fait pour qu'il monte? Non! Bah, bah oui, mais je suis sorti, je pensais que ça allait essayer. Et il y avait un levier là. Mais j'ai pas vu. Et je fais comment? Bah c'est pas grave, tu veux sortir? Bah oui, mais attends. C'est bon, j'arrive. C'est moi que j'ai... Il m'a abandonné contre les zombies! Bien sûr, il est carrément beaucoup plus lent pour descendre. Mais je l'ai pas vu, le levier, il est où? Ah là. Je l'ai même pas vu! Ah bah d'accord. En vrai, c'est parti. Ça, je me dis, c'est bizarre... L'event il se trigger pas, on remonte pas automatiquement. Ouais, c'est sûr que j'en aurais pu attendre s'il fallait attendre que j'appuie sur le levier. Ouais, je vais pas ramasser tout ça. Hein. Alors, docteur Ned. Ah, cinématique. J'ai dû faire une boulette quelque part. Je suis un docteur. Je soigne les gens. Je voulais soigner tout le monde. C'est tout. C'est moi qui ai créé les zombies. Je ne suis pas aussi doué que mon frère Zed, qui au passage n'est pas du tout inventé pour les besoins de cette histoire. J'ai le gosier sec. En train d'aider. C'est la moustache. C'est même pas la moustache sur ça, c'est la moustache sur le masque, c'est quoi. Parce que okay, c'est la fin du monde, Dr. Ned, avant de finir mort, vivant. Alors ça, je peux vendre... Alors, docteur Ned, je suis pas du genre à faire des copies. A commis une erreur tragique et il a besoin de vous pour la corriger. Trouvez l'échantillon d'antidote pour le docteur Ned. Allez à l'hôpital après le cimetière. Attends. Ah bah l'hôpital c'était là où il y avait l'autre encrier. Il y a un truc intéressant dans la boutique. Ah bon, les gens veulent vous déchiqueter. Ah, pour ta classe ? Oui. Il y a un insta santé pour les moments où le bouclier cède quand on ah en oui, a c'est pas mal. Je vais quand même garder son guide. Sur la plage, chercher la vieille pierre tombale qui est pas à sa place. Bah, c'est parti. On redescend ? Ouais, on redescend. Là, en gros, en fait, on a récupéré la quête. Et on doit aller à l'hôpital pour aller récupérer l'antidote. Pour qu'il puisse continuer ses recherches sur l'antidote. Parce qu'en fait, c'est l'antidote qui les a transformés en zombies. D'accord. Donc là, on va à l'hôpital pour aller récupérer l'antidote, parce que lui, il peut pas. Donc on fait demi-tour, complet. Hop, il faudra m'expliquer qui c'est qui a allumé ce feu, hein, vu qu'il reste plus que des zombies. Oh, ah bah, bonjour monsieur! Ah, une caisse rouge. Ouais, non, il n'y a pas qu'une caisse rouge, Jake. Juste là, Jake.
Je sais pas si tu le vois, mais il y a un monsieur là. Mais tu es sur une caisse rouge, toi, et je vois personne d'autre. Ah, oh punaise, oui, j'ai le pendu là. Oui. Et c'est qui? Je sais pas, mais c'est un pendu. Encore des zombies. DLC zombies, Raquel. Normal. Il y a encore des zombies partout. Tu vas pas avoir des petits chatons tout mignons, hein. On sait jamais. Ah, ça aurait pu être, hein. Des chatons zombies tout mignons. Des chatons zombies. Attends, bientôt dans le 4ème DLC, on va avoir des robots avec des cerveaux. On va avoir des claptraps avec des mini cerveaux. Hop. Du coup, on va pouvoir aller rendre la quête à la ville, à Jacob's Cove. On aura peut-être débloqué d'autres quêtes. Tac, tac, tac. Il n'y a pas un endroit pour TP. C'est là, et je suppose que. Lumberyard, Dead Even et Generally Hospital. Ok. Voilà. Nouvelle mission. C'est parfait. Ouh, allons-y. Et tu mets cet univers-là, mais avec la musique de Dora. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. J'espère que les mini... Je me souviens même plus des mini-boss, j'espère qu'ils sont marrants. Ah, en boucle. Ah, 4 fois. 5 fois. Oula, oula, au secours oula. Oula. Moi aussi, je suis embourbé, j'arrive. C'est bon. Je me suis embourbé. J'étais heal. Non, je... Non. C'est bien parce que comme ça, quand tu passes, je peux te heal en même temps. Après oui, n'oublie pas que plus tu utilises une arme, plus t'améliores l'XP avec. Hein. Mmh. Alors c'est parti. Au pire, de toute façon t'as qu'à venir. Côté plage ? Non, ville. On va rendre la quête et puis on va prendre d'autres quêtes. De toute façon, dans la ville on va pas être embêté, il y a les tourelles. Et on a récupéré normalement un sniper. Tu regardes ton inventaire. Hop là, je regarde mon inventaire. Normalement, t'as récupéré un petit sniper. Qui fait 396. Ah ouais. 333. Et mon gun là, il fait 402. Mais. Il y a un peu moins de zoom, mais. Hop, vendons les armes. Par contre, moi je vais acheter des munitions parce que j'en ai plus. Okay. Attends, j'ai pas regardé s'il y avait encore les améliorations. Oh oui! Il y a les améliorations épiques, le deck. Les kits d'optimisation. Okay. Et l'équipe d'opti, c'est des nouveaux ou pas? Oui, c'est les légendaires. Dragon, t'es mute. Bah non. Ah d'accord, en fait, depuis tout à l'heure, tu ne m'entends pas. Depuis que je suis arrivé à la boutique. Ah bah c'est bizarre, pourtant je sais pas cliquer sur le bouton. Donc, c'est l'équipe de petits légendaires, c'est des nouveaux. Bah ouais, c'est des nouveaux, c'est les derniers qu'on va avoir. Attends, je vais vérifier parce que... Mais non, c'est bon, je suis pas mute sur OBS. J'ai peur. Donc moi j'en ai acheté quelques-uns, bon ils coûtent cher. Hein. Ça fera plus de balles. Et du coup là la quête qu'on a récupérée c'est au Generally Hospital. Là on doit aller. Okay. Donc qui est parti. Attends. Vas-y, je vais faire les zombies en attendant. Ok c'est bon. T'es parti par là-haut. Ouais, par là-haut à gauche. Tournez à gauche. Dans 500 mètres, prenez le rond-point.
puis prenez la deuxième sortie. Prenez la deuxième sortie. Cible touchée. Puis sur 500 mètres, allez vers l'autoroute. Tu veux ta reconversion professionnelle, toi. J'ai l'habitude de mettre le GPS sur la voiture, alors je connais par cœur. J'imagine c'est le G... oiseau. Ouais, il y en a partout. Il a pas mal d'XP, hein. Oh la vache. T'as vu, il y a une mitrailleuse suspendue. Où ça va? Sur la maison, la cabane dans l'eau, là, ici. En face. Il y a une mitrailleuse suspendue dans la cabane en face. Regarde, la maison en face. Ah oui, oui, ah oui, oui, c'est les... C'est pour les zones. Ah, c'est le truc qui te tue quand tu veux. Ouais, c'est le truc comme ça. Je lag. C'est... Ouais, mais t'inquiète. Moi aussi, ils m'ont tous foncé dessus. J'ai lagué comme je sais pas quoi. C'est bon, je lag un peu moins. Bon, on va prendre les œufs de sanguine. Hein. Je prends les œufs de sanguine. Alors, c'est parti. Le Generali Hospital. Oula, attends. Oula, ça lag. Regarde ce qui nous arrive. Oula, c'est les corbeaux qui font laguer, sérieux. Ouais, c'est les corbeaux. Faut les tuer. Bon. Ok. Du coup, on a trouvé un plein indice. Ce petit passage nous permet de passer dans l'hôpital. Il y a des... Pourquoi ils mettent une moustache à une citrouille? Ah, aïe aïe aïe. Ah, je l'ai senti pas, c'est celui-là. Oh oui, désolé. Ah, je me suis fait mal. J'ai tapé ma main contre le bureau. Et bobo, Jake, je dois arrêter le strip. Ah, on va appeler l'infirmière Joël. Ouais, l'infirmière Joël. Pas l'infirmier Joël. Oui. C'est pas pareil. Alors, trouvons l'indice. J'ai un gros indice. As-tu trouvé mon indice? Est-ce que tu connais les frères? Est-ce que tu connais les frères Lago, le jeu? Non. Est-ce que tu regardes South Park? Vite fait. Parce que dans un épisode de South Park, les frères Lago, qui adorent avoir des indices. Et en fait, les indices, leur donne des choses. Ça leur fait des choses. Leur nom déjà. Voilà, les frères. Les frères Lagaule. Voilà. Sinon, je disais cimetière, hôpital chelou. Très classique du jeu de zombie. Ah bah oui, là. Ma tourette, parce que là. Je vois plus rien, je suis perdu les fesses. Ah la vache, le délai que ça met pour... Oula. Il est où? Ah, il est là. Le délai du... Comment quand il te slow là, c'est horrible. Il y en a encore... Ah, il y en a 20. Voilà. Allons à l'hôpital, on va les faire soigner. Je crois qu'il doit y avoir des oiseaux dans le coin là. Ou alors c'est des zombies qui suivent un nain ou... Je sais pas. Ah oh là oh. Par contre il faut le tuer. C'est Hulk. Oui mais c'est surtout regarde ce qu'il y a. J'ai vu ce qu'il a sur le dos. Oui. Voilà. À mort. C'est Frankenstein. C'est le skin de Frankenstein. C'est le... Ah alors, par contre, précision, parce que... Alors ça, on est côté littérature, c'est mon domaine. Mais ce n'est pas Frankenstein, c'est le monstre du docteur Frankenstein. Oui, c'est vrai. Le monstre du docteur Frankenstein, c'est vrai. C'est vrai que le docteur, c'est le docteur de Frankenstein. Qu'on va avancer un peu parce que si on doit attendre qu'ils arrivent tous là,
Et Michel, hein, je crois que sur la VOD, en fait, je vais mettre la musique à la queue leu-leu tout du long, en fait. On va se faire strike. je mettrai la shitty flûte. Shitty flûte 2 à la queue leu-leu. Ou si tu veux, je sifflerai la queue leu-leu. Bien sûr. Ouais. Pendant 2h30, je vais mettre le même loop de 5 secondes. Super, je m'y attendais pas. Bon, hop. Attention, allez. Vénère. Un peu vénère. Ah, fait boum. Bon, hop, déjà au moins on a le point de spawn. C'est pas leur tour. Ah. Alors, un indice. Je vais trouver un gros indice. Jackie O'Callan. Jackie O'Lantern. Il y a bien une. Il y a bien un skin d'Halloween. Hein. Comme si ceux qui sont revenus à la ville n'étaient pas assez mal été, j'ai découvert une nouvelle abomination près de l'hôpital sur la colline. Je crois qu'un autre crime contre la nature doit y être châtié. Voilà. Et il le fera. C'est un répurgateur. Rebûcher. C'est bon, rebûcher. Je reconnais par la toute puissante j'ai besoin de docteur. Notre Seigneur Jésus-Christ. Sire, il l'a pas dit. En plein dans le mille. Alors, oui, c'est bon là les Michel, vous arrêtez. Attends, il faut retourner en arrière pour trouver l'illuminé. Donc bah let's go hein. Allez. C'est tous les zombies qui nous ont suivis vont devoir faire demi-tour. Alors, l'illuminé, il est par là-bas. Je pense que le mieux, c'est de les faire tous se spawn et puis... Grosse bête. Où ça? Mais je pense que ça ira. Oui. Frankenstein brutal. Tu vas le sentir, ça. Tiens, il crame bien. Ça crame bien, ça crame bien. Oh, un bateau. Alors, notre illuminé. Je parie qu'il doit être mort, un truc du genre. Le voilà, notre illuminé. La nuit. L'air est aussi frais que le téton d'une femelle skag par un matin d'hiver. Et ma détermination. Ok. La prière m'a redonné des forces. Comment tu sais que le téton est frais d'un skag le matin Je veux pas savoir. Ouais, faut que je... pas été facile de le châtier comme il se devait. Et du coup, on retourne en air. Je me sens bizarre. J'espère que ça passera au matin. Oui, tout au à fait. Moins, j'ai la pleine lune pour me tenir compagnie. Ok, d'accord. Donc, pleine lune. Ok, donc loup-garou. Oui, monstre, loup-garou. Et c'est surtout le mec qui se fait quand même ouvrir le cou, mais ça va. Alors, est-ce qu'on peut... Et hop là! Ils toujours pas encore arriver eux! Cible touchée! Du coup là on va faire la quête principale où on doit récupérer l'antidote. Bientôt plus de munitions moi. Si on va mettre. Ouais, t'as la quête. La quête elle est là-bas. Alors, il faut faire le tour. Bon, c'est bien, c'est... Oula. Par ici. L'hôpital. L'hôpital, il est fermé. Comment on fait pour rentrer dans l'hôpital? Bidon. Il a lancé, je sais pas où est-ce qu'il est allé. Mais c'est surtout que moi j'aimerais bien récupérer l'antidote. Mais comment on fait pour faire tout le tour? Voilà. Comment on fait pour rentrer dans l'hôpital? Aïe.
porte. Ah non, elle est là l'ouverture. Je mets ma tourelle. Oula. Cinématique. Ah bah. C'est le loup-garou. Avec un chapeau de pattes. Ah bah c'est Ancreyes. C'est le chapeau pattes. Donc non, c'est pas des pattes, c'est vraiment un chapeau. Donc il est devenu un skag garou. Eh bah... ben... Ils appellent ça un boss. On peut récupérer le chapeau. Je ne sais pas. On a looté un truc légendaire, je sais pas si t'as vu. Légendaire? Ouais, pour notre pouvoir magique là. Ah bon? Ouais. J'ai rien eu moi. Attends. J'ai rien eu. J'ai eu artefact de chapeau. Ah ouais, c'est pour toi. Moi j'ai pas eu. C'est pas grave. De toute façon, on a gagné un niveau. Enfin, moi j'ai gagné un niveau. Ah, pas moi. Alors, et de toute façon, il y a un coffre rouge. Des armes ici. Oh! Lost Rocket. C'est super. Il est moins bon que. Comment ça. Ah oui, ouais. Il fait. Oh, regarde. Ah non, quoique celui que j'ai, il fait x3. Oui. Donc, regarde. Alors, l'antidote. Pourquoi l'antidote, il est à la poubelle? Donc ça c'est bon, je vais prendre mon niveau. Ça a jeté. Touk. Ça je jette. On est d'accord que les zombies et le corrosif, ils s'en foutent. Ouais, de mémoire, oui. Donc je ne mets pas mon nouvel artefact, non, parce que c'est un niveau 4 corrosif. Ah oui. Ouais, non. Donc c'est parti, bah, on peut aller rendre la quête. Enfin, rendre les quêtes. T'es sûr, tu veux pas te balader vite fait là? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc arrière. À côté? Mais c'est de l'autre côté. En fait, c'est de l'autre côté en fait. Ah. On peut faire le tour si tu veux. Après, il y a peut-être sûrement des quêtes qui vont nous y renvoyer, hein. T'inquiète pas. Ok. Il y a de grandes chances, hein, je pense. Sûrement que là, avec comme on a fait la quête du. C'est un peu Noël? Du Callahan là, on va peut-être avoir une autre quête qui dit aller le tuer ou un truc du genre. Oh, j'ai une arme. Super. Au moins déjà c'est bien, c'est qu'on peut retourner facilement à la sortie. Oui, bien sûr, si je me bloque ça va pas le faire. C'est parti. Et on va aller vendre nos armes. Pour le Dr Ned avant de finir mort, vivant. Hop. Je vais bloquer lui. Tu me dis quand c'est bon. Bon. Hop. Alors, lorsque vous êtes débordé. Ah, c'est vrai que Brick, il aurait été pas mal contre les zombies. Avec sa compétence. Mais il y en a beaucoup. Ouais, c'est parti pour Trekking Simulator. Sauf qu'en plus, on peut pas faire le. On est obligé de faire le grand tour. Ah, c'est ça, je me disais. J'entends du bruit. Ah, par contre, lever le. On voit que les zombies, ils ont 3 levels de moins que moi. Hein. Avant, ils me donnaient 210 d'XP, maintenant, ils me donnent 62, quoi. Ça fait même pas avancer ma barre. Hop.
Alors je crois que c'est le level 45 le max dans le jeu. D'accord. Je crois donc de mémoire, je crois que c'est ça. Enfin, après je sais que sur enfin comme là dans Tiny Tina c'est le level 40. Bah, qui s'y fait attacher lui. Le temps est précieux et nous en avons peu. Avant d'aider ce grippin roulant, sachez que le docteur Ned n'est pas celui que vous croyez. Il est à peu près aussi fiable que mon chien que j'ai dû abattre parce qu'il n'était pas fiable. Mais c'est Marcus. Voilà. Je vous ai bien eu, hein. Non, c'est pour rire. C'est pour rire. C'est pour les temps bonnes. Découvrir ce qui arrivait aux autres collaborateurs chargés d'enrayer la menace zombie. De l'autre côté, avec le bateau attaché au quai. Il y a une porte en ville. Pour rentrer, il faut toquer avec un code. J'adore ça, les codes à toquer. Ah ben ça alors, je sais pas ce que je raconte moi. Le code fait comme ça. Allez-y et abandonnez ce skag. Allez quoi, un bon geste. J'ai les genoux en compote. Alors par contre, là ce qui m'intrigue un peu c'est moi ou c'est le doubleur de Claptrap, c'est le doubleur de Marcus. Je sais pas. Parce que franchement, ils arrivent bien à faire les voix. Hein. Je m'adresse à la terreur des zombies. Nouvelle mission sur le panneau des primes de Jacobsco. Ah oui. Hop, on prend toutes les missions. Alors, General Hospital. Ah bah Oula. Qu'est-ce que tu fais, Jack? Bien, oui, je suis là. C'est quoi ce bruit? C'est le claptrap. Non, le gling gling gling, le genre de vibration, c'est pas toi? Non, c'était claptrap. Ah, c'est lui. Oh, j'ai eu peur, je pensais que c'était ces choses que ça venait de chez toi. Non, non. Ah, 72 level max. Ah, d'accord, merci Mathéo. Je sais que c'était pour Borderlands 2, c'était bon, mais je savais plus si c'était même dans Borderlands. Dans le premier aussi. Du coup, bah tu vois, là, on a récupéré une quête où on va devoir aller tuer plein de membres dans le Generali Hospital, dont Jackie O'Callaghan, celui qu'on entendait tout à l'heure, là, qui s'est fait potentiellement transformer en loup-garou. Du coup, bah c'est parti. On peut y retourner, on va aller se balader là-bas. Après c'est vrai, ouais, 62, c'est vrai qu'on peut recommencer le... Je crois que c'est deux... Sur le Borderlands 2, je crois que c'est deux fois le jeu qu'on peut recommencer. Il y a parcours 1 et parcours 2. Je sais plus s'il y a le troisième parcours sur le premier. Quand après, j'ai jamais fait... j'ai fait que le parcours 1 sur le premier. Par contre, Borderlands 3... Borderlands 2, j'avais fait tous les parcours. Enfin, chasseur ultime et tout. Bon, par contre, j'ai... Les corbeaux, c'est ça? Ouais. Je l'ai pas fait avec toutes les classes. Tu les attaques pas, ils ne les attaquent pas. Ouais, mais ça donne de l'XP. Ah ouais. Quand tu les attaques, ça donne 120 d'XP. Moi, ça me donne 120 d'XP. C'est pas mal. Puis, il faut pas de dégâts. Hein. J'ai même pas besoin de viser. Ouais. Bah t'es passé level 38 à l'instant. Bah voilà, j'avais bien entendu. Tes petites barbichettes. Je me dis quand je peux. Vas-y. Attention, il y en a deux qui arrivent derrière. Ah bah attends. Tant pis. Du coup, là on va devoir tuer des pèlerins. Je dis pas de bêtises. La meute. Alors, il semblerait que mon idée à base de sang de skag n'ait pas l'efficacité escomptée. Voilà, donc vous allez faire la rencontre avec le skag garou. Mais on vient pas de le tuer. Bah en fait, oui, si, mais en fait, Franck Reyes, c'est lui qui a attaqué le répurgateur qu'on a vu. Donc en fait, comme c'est un skag garou, il a skag garouifié tout le monde. Du coup, là, on doit les tuer. Hop. J'aurais dû prendre des munitions.
Bon, du coup, je vais... Non, je vais pas taper. Je vais taper avec mon snipe. Et il faut faire le tour par ici. Alors, de même... je pense pas que le boss y aille, pop. Ça m'étonnerait. Yo. Non, il va les passer. Tu peux me bodyblock ? Non, tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas. C'est à droite. C'est parti, non, attention, bloc, Jake. YOLO. Tout va bien. Ça va, on n'a pas perdu beaucoup. Donc le père au Calan, il est là-bas. Et voilà, voilà le père au Calan. Bah, il regarde, il prend feu tout seul. Hein. Oui, c'est moi qui. Hop, bon, le ski est quand même pas mal. Hein. Ils l'ont bien géré, je trouve. Ah, par contre, j'ai trouvé aussi l'artefact corrosif légendaire. Hop, et du coup, il sert à rien. Donc, Okalan s'est tué. Ok. Et du coup, il faut tuer les autres. Donc, oui, ce qu'il faut. Retourner en arrière ? Bah, je sais pas. Je sais pas, le point il bouge pas donc. On va les enchaîner. On va faire un peu de tour. Attends, je monte ici. Skellerag. Il y a une caisse. Pas rouge, mais il y a une caisse. De munitions. Ah, donc il y a des skags qui. Ah, il y a vraiment des skags. Des skags ? Oui, regarde. Des oiseaux qui nous foncent dessus. Des Skellerag. C'est. Des squelettes, des skags squelettiques. Bon, après, on a les oiseaux aussi. Mais bon. Je trouve plutôt stylé. Ah bah oui, ils sont là-bas. Donc, Whisky Wesley. Wow, vache, ils prennent cher avec le feu. Là, c'est bon. J'ai pas vu grand chose. Bah, en fait, je pensais que il allait venir vers nous, mais en fait, il est déjà mort avant. Donc, ouais. T'as mieux. Alors, là-bas, il y en a un autre. Là-bas, il y a Red Jack. Il y a les armes. Ah. Attends, je vais voir. Attends, il y arrive. Je le ramène. Ouais, peut-être un truc pour toi. Regarde, Jack. Salut. Non. Bah, sanguine. Où est-ce qu'il est ? Quand même. Ah bah encore un artefact soldat ? Tant mieux. Il a disparu. Ouais, il dépop rapidement. Et du coup, il en reste plus qu'un, c'est le Sasquatch. Je suppose qu'il doit être là-bas. Tu regardes vraiment pas ce qu'il y a dans les maisons ? Non, ça. Hein. On est déjà pété de thunes, Jack. Ouais, vite fait. Hein. Ah ça, un vétéran. C'est génial. Donc, c'est pour toi. Et ben encore. Et ben voilà. Donc, on a fait la première quête. Et du coup, alors on va devoir changer de zone. Pour aller trouver le tocard, le débutant, la mauviette et le crétin. Attends, j'ai un truc soldat, c'est toi soldat ? Ouais. Alors attends, mais... viens là. Alors c'est quoi ? C'est un artefact ou ? L'artefact. L'incendiaire ? Électricité. Ah, je l'ai peut-être déjà. Vas-y, j'arrive. Comment je fais ? C'est l'espace ? Ouais. Voilà. Alors, est-ce que je l'ai déjà ? Eh bien non, je ne l'avais pas. Voilà. Et du coup... Je vais prendre l'incendiaire niveau 4. Comme ici, ils ont mal avec le feu. Yo. Ah. Oh. De toute façon, c'est partagé, donc...
Ah, encore un pierre. Le monstre de Frankenstein. Oui, d'accord, il était pris pour Iron Man, lui. Du moment qu'il crie pas Jarvis. Ouais, 5000 XP quand même. Alors, ouvre la porte. Un fusil à pompe qui sert à rien. Et un autre fusil à pompe qui sert à rien. Voilà. Bon, du coup, on peut partir. Il y a un point violet sur la gauche. Il y a un point violet. C'est juste un phare, c'est pas un poteau. C'est une lanterne. Pour le bateau. Du coup, bah oui, les ennemis ils ont tous respawn. Ma compétence, je l'ai pas encore. Donc là, faut que j'achète des munitions parce que sinon ça pique. Ça pique, j'ai plus que 500, 300 munitions là. Alors, ça je vends. En fait, il me sert à rien. Et par contre, munitions de SMG. Hop. Est-ce que je peux acheter ces améliorations? Je l'ai choqué, je l'ai. Revolver. J'ai pas assez de sous. C'est bon? C'est tout bon? Ouais. You ready? Eh ben on va changer de sous. C'est parti. Allons à Lumberjack. Donc la Syrie. Les oiseaux. Alors après, est-ce que les oiseaux font référence aux oiseaux de Hitchcock? L'histoire des oiseaux qui font peur, depuis les oiseaux de Hitchcock, c'est très très important dans les films, les séries et même les jeux vidéo qui font peur. Ouais, donc ouais, est-ce que je pense que c'est une grosse référence. Non, c'est vraiment... Alors... Qu'est-ce qu'il est flippant ce film, vraiment. Pour les technologies de l'époque, en effet, c'est quand on regarde maintenant, c'est pas ouf. Ah oui, ouais. Mais ouais, sur scénaristiquement, il est flippant les oiseaux de Hitchcock. Hein. Mais Hitchcock, il avait un souci dans sa tête. De toute façon. C'est un génie, mais il avait quand même un souci dans sa tête. Et il maltraitait ses actrices, ses acteurs. Ah oui, à ce point-là. Ah ouais. C'est un peu comme. Le film de Shining. Avec Jack Nicholson, apparemment, si je dis pas de bêtises, l'actrice elle a failli arrêter ou des trucs comme ça, je crois. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Ouais, que ça n'allait pas parce qu'elle se faisait maltraiter, qu'elle voulait arrêter. Bon, après, il faut dire, c'est un très très bon film, Shining. Ouais, mais un bon film ne doit pas. Ouais, après, c'est ce que faut que ce soit le nom de l'actrice, je pense pas. Oh, des sous! Beaucoup de sous. Super, je m'y attendais pas. Voilà, on a un explosif. Aïe. Ah mince, t'as pris l'aggro. Aïe. Voyez-vous ça? Je vois du loot, je regarde même pas ce que c'est, j'ai plus sûr. Cible touchée. J'ai même pas de couleur. Oh punaise. Oui, je mets... j'ai vu un légendaire, c'est un légendaire ça. Qu'est-ce que c'est comme légendaire? Alors le DL11 Bloody Anaconda. Hop. Il y a 6 balles. Et son intitulé c'est Long et Fort. Voilà, c'est la phrase de mon arme. Attends, je change mon bouclier. Vas-y. Je vais gagner un peu plus de santé. Mais du coup, t'es à combien de santé là, toi? 655.
655 mais je sais pas, j'ai un bout de santé vide, donc je pense que je peux avoir un peu plus. Presque. 851. Ah oui, donc t'as carrément beaucoup plus de vie que moi. Bah non, on peut pas passer. Sérieusement? Et il donne la quête. Il y a un point de l'autre côté. Ouais non, ça c'est le, c'est un bug, ça c'est le bug quand il change de zone. Bah non, bah apparemment on peut pas passer, donc il faut faire demi-tour et retourner à la plage. Bizarre. Bon, qu'est-ce que ça va se débloquer après? Tant pis. Ah, on doit comme... Ah, ok, d'accord, Mathéo. Ouais, Mathéo, il nous dit on doit avancer dans la quête principale. Ok, d'accord. Ah, c'est bête qu'il nous donne... qu'il nous donne cette quête-là alors qu'on doit encore avancer. Oh là, par contre. C'est un peu loin, hein. Je suis derrière toi, 200 mètres. Allez, vas-y. Mais par contre, est-ce... faudrait qu'on aille après... Comment on fait pour monter là-bas? On va sûrement y aller après, je pense. C'est parti. Demi-tour. Ah, vivement qu'on fasse Borderlands 2 à 2. Ouais, on va bien rigoler. Pas rien. Les insectes dans l'autoroute sur mon pare-brise. Ouais, c'est plus des insectes là. Là, c'est Jean-Michel qui a passé une mauvaise soirée et qui s'est dit je vais essayer de prendre un peu l'air sortant ma tête dans derrière la fenêtre. Hein. Hop, je vais lancer ma tourelle. Mais en fait, du coup, je préfère mon. Pour les zombies, je préfère la mitrailleuse. Moi, perso. Je trouve que je fais plus de dégâts avec la mitrailleuse. Alors, Dead Island. Alors, Dead Even. Et on va prendre le petit bateau. Ouais, enfin, t'as vu la tête du bateau. Oh, un monstre de Frankenstein. Alors, la zone. Comment est la zone? Oh, elle est grande. Hop, tac, tac. C'est des dégâts corrosifs, donc ça ne sert à rien. Et la quête principale, elle nous emmène où? Elle nous emmène juste à côté, ben, c'est parfait. Et ben, c'est parti. Oh, en tout cas, c'est joli niveau style. La caverne et tout. C'est la caverne du Batman. C'est la caverne du Batman. C'est de toute beauté. Alors, le bouton est là. Bonjour monsieur, il y a des fleurs, c'est mignon. Tu vois, il y a des petites fleurs. Oui. Ah bah c'est ça, je me dis, la map me dit quelque chose, mais c'est la ville de... C'est en fait, c'est juste un copier-coller de la ville qu'on jouait dans les... dans la quête normale, qui est pendant le jeu principal. Sauf qu'au lieu d'avoir des ennemis, c'est des zombies. Les zombies de la lance. Attention. Donc du coup, des zombies qui ont de la résistance. Et tranquille, les zombies ils peuvent balancer apparemment des toiles Scorpio. Mais par contre, on est d'accord qu'ils ont un niveau adapté à nous. Non, c'est niveau adapté à la zone. C'est par rapport à la zone, donc si on retourne dans la zone d'avant, ils étaient level 35, parce que c'est la zone entre guillemets de départ du DLC. Ouais, mais vu qu'on est à peu près à ce niveau là, tu vois, je me demandais. Ouais, non, là ils sont level 36, ils sont tous à peu près level 36, sauf les brutales, les tasses, parce que c'est un jeu des poteaux. Là, ici, oui, ils ont des levels en plus. Une autre encore.
Je vais mettre ma tourelle parce qu'il commence à avoir du monde. Il y a deux tonneaux là-bas au coup. Oui, oh là oui, oui, c'est un deuxième brutal. Non, deux brutal, ok d'accord. Trois tonneaux. Ah. Retraite, retraite. Retraite. Faut essayer de péter les tonneaux. Ouais. Hop, du coup ça la stun et là on peut défourailler. Ouais, juste à côté. C'est parfait. Hop, 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 hop. Ah oui, ouais, voilà, Old Even, comme tu dis Mathéo, c'est vrai que c'est juste un reskin de Old Even. Encore là ! Ça arrive pas. La fameuse zone qui nous a fait que j'ai dû redémarrer le jeu parce que sur cette version ça déconne pas mal. Alors on a ouvert le labo. Enfin, on va ouvrir le labo. C'est parti. Donc, nous voilà dans le labo du docteur Ned. Alors, renseignements trouvés. Il faut qu'on rende la quête ici. Ouais. Je te laisse rendre la quête. Oui, il ne valait pas mille. Ok. C'est pas facile à dire. Bon. Tout un de mes corps réanimés a un peu mangé pire. Ouais. Enfin, quand je dis un peu. On doit récupérer des échos qui sont les tests de Dr. Ned. Sur la réanimation des cadavres. Et du coup, les tissus réagissent bien, on doit les envoyer. Mais les corps développent un appétit. Il faut aller là-bas. Lui, pour le il moment, faut aller là-bas. Ils sont gourmands de raisins et de muffins. Mais ça en va. Augmentant la puissance de la réanimation cellulaire, j'ai peur de les rendre plus affamés et potentiellement plus dangereux. Ne craignez rien. Ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Suis-je fou? Oui, c'est possible. Mais au moins, je ne fais pas du popcorn pendant que les autres travaillent. Mmh. Bon, ça va, t'as entendu comme moi, hein. Ils mangent des muffins et des raisins. Et du popcorn. Et du popcorn, donc c'est bon. J'ai un zombie qui me bloque l'escalier. T'es pas obligé de monter, hein, tu peux faire tout le tour. Je sais bien ça, il faut faire tout le tour. Ouais, il faut faire tout le tour. Non, faut passer par là. Attends, il faut passer par là. Est-ce qu'on peut sauter? Non, on peut pas sauter. Comment on fait pour monter? Là, il y a une porte. Très bien, c'est là où on arrive. C'est là d'où on vient. En fait, on peut faire le tour. On peut faire le grand tour, je pense. Ah, arrêtez de nous vomir dessus. En plus, ils font trop de dégâts. C'est pas par là. Là-bas, y'a des zombies. Bonjour monsieur. Et il s'appelle. Et le nom, ils se sont même pas foulés, hein. C'est juste Torse. Mm. Ah oui, d'accord, ça a ouvert les portes ici. Oui, donc on doit vraiment faire le tout complet. Oh, un explosif. Aïe, aïe. Qui est mal. Alors. Un coup nickel. Du coup, en fait, on va faire la quête secondaire avant, je pense. Il y a toute une munition. Et un petit. Deux petits. Un petit. Donc, il y a un explosif aussi. Aïe 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 aïe. Reste dans la zone rouge, reste dans la zone rouge. Il est un peu à gauche. Je vois plus rien. Moi non plus. Bon, je te heal. Ah oui, d'accord, il y a une balance pour le scorpion là, quand même. Hop. Oh, il y a des caisses avec des munitions.
Il est imbotable. Oula, 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 oula. Le nabo il est parti, il y en a un qui arrive là. Ah, il y a un avocat. Il est où? Allez, je vais passer de level. Alors attends, la quête secondaire. Elle est là-bas. Oula, attention, il y a un incendiaire. Il y en a un qui est caché, bouge plus. Joue support. Hop. Récupérons les cervelles. Punaise. Ouais, il pique. J'ai gagné un niveau. Du coup, c'est bien, je pourrais prendre l'amélioration des missiles auto-guidés sur mes tourelles. Je ferai un peu plus de dégâts. Dans deux niveaux. Et du coup, la quête secondaire, on doit aller là-bas et on doit retrouver le dernier enseignement. Ah, qui c'est le plus grand savant fou? Eh ouais, c'est moi, le Dr. Ned. Avec un N et non un N. J'ai créé un nouveau bill. Je manquais de temps pour l'assembler minutieusement. J'ai simplement fixé de nouveaux membres, des rustines et des caches sur ce qui restait de Bill. En fait, ah, ce n'est pas vraiment Bill, voilà. Ni Franck, c'est une sorte de frile. Voilà Bill. C'est temporaire, mais ça semble fonctionner. Alors je dis, on fonce. Mais c'est dingue aussi Bill. Aucun Bill, hein, mais non. Tu es mort? Oui, oui, oui. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Donc nous avons tué Frank and Bill. Tout ça pour une égratignure. Hop, c'est alors super. Qu'est-ce qu'il nous donnait Frank and Bill? Ouais. Ouais, bah Frank and Bill il donnait des trucs pas ouf. Donc ça ce sera rendre à Jacob's Cove, je pense, c'est ça. Et du coup, la quête, il faut qu'on trouve un équipement de localisation. De communication, pardon, et qu'on envoie les échos qu'il a dit. Oh, par contre, c'est bien ça. On peut reprendre des munitions. La monnaie Féron. Ça sert à rien. Toi, tu sers à rien. Et munitions de SMG. Est-ce que je peux reprendre un kit d'amélioration? Ça, je l'ai déjà. Oh, j'entends quelqu'un derrière. Ouais. Pire pistol G, launcher G, grenade. 8, combat rifle. Et sniper. Oh, c'est bon. J'ai toutes mes améliorations de stockage. Level max. Du coup, il faut qu'on trouve l'appareil de communication. Là. Et du coup, le DLC, on va le faire en deux streams, je pense. Il y a de grandes chances. Par où on monte? Alors, là, il y a... Ok, on monte par ici. Touk, touk, touk. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'ils vont tous se spawn dans l'allée quand on va prendre l'appareil de communication. Il faut sauter, et il est où? Il est là. C'est... Oh, c'est... Ah oui, d'accord, c'est juste l'appareil là. Voilà. Du coup, je pense qu'on va se mettre là, et on va mettre la tourelle là. 56K, non! C'est un modèle 56K! C'est comme si on était deux! Ah oui, t'entends le bruit et tout! Ah, tous les bruitages et tout! Ah oui! C'est vraiment le modem écho 56K quoi! C'est bien fait la vache!
Ah bah c'est bon, c'est bon, envoyé. Coconut, attends, il faut peut-être la bleue. Alors la quête, on la rend. Alors, rassemble à l'épreuve, c'est bon. Vous avez averti la Jacobs Corporation et ils vous ont déjà répondu. Et du coup, revenez sur l'île et rencontrez le représentant de la Jacobs Corporation. Donc, en gros, en fait, on a vendu Dr. Ned à la société, en fait. Parce que lui, ce qu'il veut faire, c'est il veut faire encore plus de tests. Du coup, voilà. Du coup, on doit signal envoyé, survécu. Donc ça me fait un peu peur. Le survécu. Pas trop. Cible touchée. Et voyage arrangé. Du coup, là, en fait, on doit envoyer les données aux représentants de Jacobs qui viennent nous aider pour arrêter le docteur Ned d'ici. Oula, il explosionne. Passe bien sur le pont ici. Vas-y, t'inquiète, ils vont venir. Ça va spawner en masse, hein, de toute façon. Et nous voilà. C'est parti. On envoie le signal. Et maintenant, on survit. Bien, mieux, on c'est a des armes. Hein. C'est un peu Noël. Tout est mieux. Mal, non. Hop. Ils arrivent plus par le petit pont, donc c'est pas mal. Encore un. On arrose et on les crève. Oh, le secrétaire. Ah. Faut qu'on bouge, donc. J'essaye. Il décale, sinon ça va péter. Ça va péter! Du coup, voilà. Faut attendre ici parce que. J'espère que c'est là où c'est le point et qu'en fait, le fait qu'on ait bougé, ça n'a pas. Dès qu'il se dit, allez, vas-y, je vais y aller, YOLO. De toute façon, je pense que c'est au nombre de zombies tués qu'on spawn. Aïe! Ah, t'inquiète, je peux me raiser. C'est très sombre. Il y a quand même du loup partout. Hein. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Hein. Non, remets mon sniper. Oula, mince. Pareil, c'est trop longtemps dans le menu. Hein, avec... Allez, j'ai pas encore ma. Allez. Qu'elle a dit, j'ai pas compris. Le formulaire A38 là, la flotte, ils ont pas fait leur boulot. Est-ce que vous avez le formulaire A38? T'as la ref au moins? Non, elle a pas dit A38, elle a dit TPK 3882, mais j'ai oui. Rafraîchi par A38. Oui, voilà, ce que j'allais dire, c'est le formulaire A38, c'est une bonne ref à Asterix qu'ils ont fait. Oui, mais ça, j'ai fait exprès. J'ai fait de prendre des armes, hein, comme enfin, des munitions, parce que... Oh, ah. Voilà. Yeah, c'est quoi le gros panneau danger qu'il y a ici, là? Bah, recule, Jack. Tu vas te prendre une grosse explosion dans la tronche. Tu vois où il y a la balise, là? Faut pas aller où il y a la balise. D'accord. Attendre un peu. Je sais pas pourquoi je sens qu'on va avoir des brutales qui vont spawn ou un truc du genre. J'ai dû regarder peut-être dans le ciel si on voit que ça spawn, mais ça m'étonnerait.
Ah, les ordinabos. On va pas trop se rapprocher non plus. Ah, voilà. Ah bah si, c'est ça, tu vois. Voilà. Alors, qui est le... voyage arrangé. Eh ben, c'est parti alors. Eh ben, on retourne à Jacob's Cove. Le laisser passer à 38. Ah bah du coup, d'accord, on est retourné là. Je sais pas pourquoi, mais je sens que les tourelles Gatling, à un moment, elles vont être reprogrammées. C'est bizarre. Ah bah... quatre trappes de Jacobs. Ah mince, on voit pas son arme. T'as loupé, Jack. Oh, il est stylé. Il a tué le quatre trappes. Ah. On lui rend la quête et du coup bah, on récupère une arme dalle, c'est un peu bête. Jacob's Claptrap a baissé le pont près de la Syrie pour parvenir jusqu'au Dr Ned, ce sera pour plus tard. Et du coup on va rendre nos deux autres quêtes et on va prendre une troisième. Alors lui il sert à rien, il sert à rien. Touk. Alors niveau quête. Bah du coup, oui, avec la vente groupée, trouver un coupleur électrique et réparer le distributeur de la Jacobs. Il est où le coupleur? Il est près de l'océan. Et du coup, là, avec la quête principale, ils nous ont donné accès à la zone tout à l'heure qui était bloquée. Monsieur, on peut récupérer, s'il vous plaît. Un coupleur électrique volé sur le distributeur de Jacobs. Et du coup, on va pouvoir l'installer. Ça va sûrement nous donner un nouveau distributeur en plus. Sûrement le distributeur de vie ou un truc du genre. C'est ça. Qu'est-ce qu'il nous donne? Ah bah oui, non, d'accord. Ah oui, il nous donne des armes spécifiques à Jacobs. Si c'est pas du okay. Bois, j'en veux pas. Jacobs. Bah non, et l'arme, le jeu, c'est normalement des armes qui sont vendues que en type Jacobs. Mmh. Tu regardes l'objet du jour, c'est du Vladov. Il y a un problème là. Et du coup, ça, ces armes-là, c'est que des Jacobs. Donc les Jacobs font, c'est des armes qui font énormément de pourcentage de dégâts en plus. Mmh. Et du coup, bah voilà, si jamais t'as envie d'en acheter un. Mais si je les achète, je l'aurai aussi sur les autres sessions, sur le jeu. Ah oui, c'est t'achètes une nouvelle arme, quoi. C'est juste que... là, ce sont des armes spécifiques que aux fabricants de Jacobs. Et du coup, on a fait la quête. Et est-ce qu'on s'arrêterait pas là? Ou si on finit... Je pense que si on finit, il reste de rester, je crois, deux ou trois missions et... Le truc c'est que, est-ce qu'on en a assez pour faire 2 heures la prochaine fois? Oh, je pense pas. Ah bah après il y a d'autres DLC, hein, t'as l'Underdome, hein, n'oublie pas. On peut shooter. Ouais mais c'est pour le calcul des VOD. Quoi. Ah oui, bah vas-y, let's go, on va finir je pense. Je pense qu'on est sur la fin. Du coup, il faut abaisser un pont. Du coup, il faut retourner là-bas. Attends, je suis encore sur l'équipement. Vas-y. Oh punaise, à niveau 40, l'arme que j'ai achetée. Oui, c'est que des 40. Bon, ça va, on est bien, t'es level 39. Okay, alors, je vais essayer de penser de ne pas la vendre. Tu peux la mettre en mode favori, hein, n'oublie pas. D'accord. Si tu cliques sur le petit cadenas à droite. Ok. Comme ça, tu... L'étoile, enfin l'étoile, la croix, c'est pour la mettre en mode Kaamelott. Donc quand tu vas sur un distributeur... Ok, j'ai compris. Et tous les camelots t'appuies sur Supre, ça va tout vendre d'un coup. Et sinon, t'as le petit cadenas où c'est en favori, et ça, tu peux pas les vendre tant que tu n'as pas enlevé le petit cadenas. D'accord.
T'es parti par... Je vais à la zone, mais t'inquiète, je vais te TP. Je suis coursé par 50 zombies, mais t'inquiète. Je suis plus rapide que... Tout va bien aller, tout va bien aller. Hop. Ce que j'ai juste à faire. Hop, je me retourne et hop. Allez, petite tourelle. Fais ton travail. C'est comme si on était toute une équipe. On arrose et on les crève. Du coup, maintenant, c'est disponible. Et on va devoir faire. Il y a la quête secondaire et la quête principale ici. Bon, j'ai eu peur. Alors, la zone, elle est grande ou pas? Oh, ça va, ça va encore. C'est parti pour un tour. Découvrir ce qui arrivait aux autres collaborateurs chargés d'envoyer la menace zombie. Donc, c'est sur passage. Donc, c'est parti. Je pense qu'on va pouvoir faire la quête secondaire. Parce que nous sommes sur le chemin. Oh! Je ne voudrais pas que mes innombrables sbires froissent votre... Écoute ça, Skaggy! Tu vas pas me croire! La machine à enlever est en train! J'ai débarqué dans cette ville et on dirait qu'il y a personne! Pas un chat! Je suis quand même tombé sur le dieu de fer qui m'a parlé de zombies dans la forêt hantée! Il avait l'air d'un homme gentil alors! J'ai décidé de... Ah mais j'ai pas remarqué, les zombies, regarde, ils ont des casques bières. Ah oui. C'est les casques beaufs. Hop, oulala, il y en a qui oulala, il y en a beaucoup qui arrivent là. C'est génial. Oulala, il y en a beaucoup derrière. Oui. C'est bien avec ces armes là, enfin avec ces mobs, on peut gagner pas mal d'XP d'armes. Alors, là il y a les armes Jacobs, ils sont pas en train de spawn les zombies. Il y en a beaucoup. Avec la tourelle. Derrière, il y en a aussi d'autres. Spawn, je peux plus de ceux derrière. Ah, mais il y a un tonneau. Alors, les tonneaux, si jamais tu te les lances, tu peux les péter quand ils te les lancent. Ouais, ouais. Je pense que je vais passer un petit peu. De toute façon, je vais faire un tchoum. Pardon, excusez-moi. Et je suis médecin. Mais si vous étiez salement amoché, je devrais vous laisser mourir, puisque vous avez découvert mes plans maléfiques. Enfin, c'est pas un peu comme... C'est pas comme si Marcus nous avait spoil au début, quoi. Cible touchée. Alors, qu'est-il redevenu du... Oh non, mais c'est... Tocard. C'est de la connerie, ce module de navigation numérique. Le repère veut toujours me faire passer à travers une montagne. Qu'est-ce que je dois faire? Trouver un passage secret. Non, je peux pas la sauter. Toi, attends, je te déteste. Saloperie numérique. Voilà.
Mais quand même, à l'époque, il devait quand même avoir un bon PC, je pense, quand tu mettais les graphismes à fond. T'avais tous ces mobs qui spawnaient sur ta tête. Ça devait pas être marrant, je pense. Alors, oula. Attends, je pense qu'on va. Attends un peu. Voilà. On va faire péter le pont. Et je connais, c'est le pont qui a fait sauter le pont. Yes. Comme ça, chef. Nagez bien, chef. Il faut rester gros pire. J'essaie de vous anéantir une bonne fois pour toutes. Je devrais pas nourrir un type ivre de vengeance, si. Dites, vous savez si les zombies aiment les brownies? Alors par contre, c'est stylé ce crâne là. Ça me fait penser à l'entrée de Baie du Butin dans WoW. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que l'entrée, ouais, elle est comme ça. Ouais, Baie du Butin, je trouve que c'est une très jolie ville dans WoW. Après, c'est la ville des pirates et tout. Une ville populaire, surtout. Ouais, non, mais c'est surtout que. Enfin, je trouve comme là, tu vois, comme l'entrée dans le crâne, puis après, t'as les bateaux et tout. Enfin, je préférerais, tu vois, Baie du Butin à Orgrimmar, quoi. Rien à voir. Oui. C'est une ville, hein. Et sur les villes gobelins, ouais, Baie du Butin, c'est. Pour que c'est la plus jolie, je suis d'accord. Parce qu'entre. Perso de l'hiver, Gadget Zan. Ouais, Gadget Zan, c'est. Encore Gadget Zan, elle est détruite par elle de mort, non? Ouais, ils l'ont déplacé de quelques mètres. Ouais. Le vilain est de mort. Alors, qu'est-il arrivé aux débutants? Ok, tu sais qu'à la fin, on découvre toujours que le fantôme, c'est un vieux avec un masque. Mais je trouve que ces zombies en portent pas. Alors je fais ce qu'on fait le vieux, toi et moi. Kagi, je me suis planqué. Ah, oula. Un tonneau. Bien sûr. C'était quel mec en Grèce qui s'était caché dans un tonneau? En Grèce? C'est une fable grecque. Le mec qui voulait aucune possession physique. Comment il s'appelait? Ah, j'ai plus son nom. Là, comme ça, je dirais Ulysse, mais. Non, c'était un. C'est un qui a renoncé à toute possession physique et qui se cachait dans un tonneau. C'est connu son nom. Je fais un petit altab, je te laisse me protéger. Oula, avec tout ce qu'il y a, t'es sûr? Tonneau Grèce. Attends, je reviens. Diogène, oui, voilà. Diogène, c'était. Le comte de Diogène, c'est. Je crois qu'il avait tout et il a. Il y a eu un truc et à la fin, il vivait dans un tonneau. Et c'est même pour ça. Enfin, c'est même pour ça que le syndrome de Diogène existe. Ah bah ça va être compliqué. Là. J'ai mouru. Moi aussi, j'essaie de tuer les motales, comme ça. J'essaie de devenir Thérèse. Non, t'es trop loin. J'ai mouru. Ouais,
qu'en fait il me pousse donc il me ralentit. Non, j'aurais pu. Ça va, non, t'es pas sous point. Ah, ça va. J'ai perdu 50 000 dollars. Ah oui, c'était friqué, ça va. J'ai 600 000. Ouais, 600 000. J'ai 436 000, monsieur. D'accord. Rends l'argent. Rends l'argent. Je vois que ça s'optimise pas mal. Hop. Donc oui, syndrome de Diogène qui vient de ça. Diogène qui avait... donc le pont. Et du coup, la nuit des morts-vivants. Donc bah, là, c'est parti pour tuer le boss. Qui est dans une autre zone. Et du coup, en passage, on va... récupérer les échos progression au niveau afin de rendre le tout plus distrait de la mauviette et du crétin. Tu vois, c'est là que tu vois, on aurait joué à Borderlands 3, on aurait pu faire des méga glissades de ouf. Je vais taper au sniper parce que sinon on n'a pas fini. Oh, sniper. Là. Tac, tac, tac. En plein dans le mille. Non, avec eux, c'est pas mal qu'ils ont pas faire le défi des critiques. Le défi des. Tu vois, le défi genre tuer autant de personnages. Avant des dégâts critiques. Cible touchée. Pas mal. Alors, la mauviette. Comment elle est morte, la mauviette? Oula! Il y a des skaggarous. C'est moi, il y en a qui va exploser, là. Oui. Et voilà. D'accord. Combien Jacobs vous paye? J'offre le double, mais je vous préviens. Je roule pas sur l'or, car j'ai tout dépensé pour faire un usage ludique des morts-vivants. Maintenant que j'y pense, je me dis que mon plan est pas top. Ah, tu m'étonnes. Un coup d'anthologie. Ah, j'espère que Jacobs, ils vont nous payer, parce que... Si on a fait tout ça pour rien... Hop. Dans le mille. La musique elle change, c'est pas bon. Alors, la mauviette, elle est morte comment? Dirk Smallwood, c'est la mauviette. Mais non, il m'a pris une nouvelle arme, je voulais pas prendre cette arme là. Attends, c'est le champ qu'on a. Non messieurs. Oula, là, derrière nous. Oui, j'ai vu, je vois ce mec. Ouais. Cible touchée. Où sont les machine guns quand on aura besoin? Oula. Vache. Ah, mais il nous stun quand il nous saute dessus. Bien s'il faut te demander de l'arrière. Parce que là ça spawn encore.
Ouais, ça va. Alors, comment est mort le crétin ? Que le fusil à pompe, c'est trop marrant, ça les one shot. Des munitions. Bah, je crois qu'il y a des munitions. Il va y avoir des munitions après le boss. C'est génial. Enfin, juste avant le boss. Par contre, je pense que je vais passer le level 40. Bientôt, là. Je suis à la moitié de ma dernière barre. Alors, encore un loup-garou. Au revoir, monsieur le loup-garou. Bonjour, monsieur. Au revoir, monsieur. T'es où ? J'ai un masque total qui est tombé. Je t'embête pour rien, Jake. Ah, je sais que ça. Alors, la mauviette et on change de zone. Steve est mort. J'ai trop. Je ne sais pas cette disparition. Il me manque. J'ai l'impression de m'entendre. Hein ? C'est quoi ? Oh ! Oh, c'est pas vrai. Steve ! Par ici ! Adieu. Non, non. Mais... Tu veux qu'on s'embrasse ? Tu veux qu'on s'embrasse ? Oh d'accord mec. Oh viens là. Oh je t'adore mec. C'est vraiment un crétin. Ah ah. Oh non, c'est vraiment le crétin de... avec la bière et tout quoi. Et du coup c'est la Syrie. Donc le docteur Ned se cache dans la Syrie. Et on va pouvoir vendre et prendre nos armes. Paf. Je vends ça, je vends ça. Et je vais prendre masse de munitions. Voilà. Et les fusils à pompe, ils sont où ? Ils sont... Ils ont... Hop. Alors la carte, regardons la carte. Ok, et c'est pareil. Bah tu me dis quand on est, tu es prêt. Attends. Et allons-nous sur. Attends, y'a quoi là ? Du coup, on pourra aller tuer le dernier boss. Et on refait un DLC en un stream. Je suis là. Allez, voilà, c'est parti. Vous êtes content ? Maintenant, je suis courroucé. J'adore mes pantoufles. Oh, il est courroucé. Je vais devoir vous tuer. Subissez, mon courrou. Du coup, j'ai passé combien de levels d'armes là, la mitrailleuse ? Ah, je suis level 16. Ah ouais, quand même. Level 15 fusée à pompe, level 16 à la SMG. Pas mal. Ah, il te redonne en plus des munitions, c'est pas mal. Ah, t'as un truc là pour toi. Oh. Ouais, non. Corps à corps, ouais, non, je crois. Hop. Je suis les flèches. Vous sentez le pop-corn ? Ça me met en colère. C'est pas bien ça. Oui, ah, ils sont fermés. Il faut faire quoi ? Il faut descendre par là. Il est là. Après, regarde. Oh. Ah voilà. Ah bah, des crédits ? Oui, oui, bah des crédits. Ah ! Des crédits qui se font arracher. C'est pas fini encore. C'est pas fini ? Bah oui. Ça, je me souvenais plus de ça. Donc, oui, oui, quand même. Je me disais bien, la vache, il est balayé. Bah, il est mort. Il s'est fait scier. Non, tu es Dr. Ned à nouveau. Mais... Donc, il faut sauter. Ah! Oui, d'accord, on voit le noir, maintenant il faut sauter. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est. Attends, parce qu'on a gagné un niveau. Non, tu as gagné un niveau. Ah, j'ai gagné un niveau.
Mais je me souvenais même plus, tu vois, de ça. Parce que la vache, on l'a défoncé. Mais on est dans lui, là, c'est dégueulasse. Non, on n'est pas dans lui, on est dans son repère. On est dans la Syrie. J'ai l'impression d'être dans un intestin mécanique. Oui, si t'inquiète pas. Il faut descendre encore. Ah oui, d'accord. Ouais. Oh là. Oui, il faut vraiment descendre. Ah, voilà. Ça, c'est un repère de boss. Oh, punaise. Tu sens... Oh là, attention, voilà. Ouais, quand même, il résiste un peu plus, ah oui. J'allais dire... Donc, il est quand même stylé, hein, son skin. Il y a des ZAD ? Ouais, il y a des petits ZAD. En fait, à chaque boss, t'as toujours des petits ZAD. Au cas où, si le boss te tue, tu peux revenir à la vie. Ça, c'est fait exprès. Dans tous les Borderlands, c'est comme ça. Ouais, son skin, il est grave stylé. Je suis mort. Non, Draken, j'arrive. Mais t'as tué tous les petits Z en plus. C'est bon, je vais le tuer. Voilà, on a tué le boss. Et là, on a les vrais crimes. The Zombie Island of Dr. Ned. Dr. Ned. Et on a chopé des succès en plus. Et c'est ainsi que les chasseurs de l'Arche empêchèrent le méchant Dr. Z. Mais je croyais que c'était le Dr. Ned. Oui, si tu veux. Où j'en étais? Ah oui. Et donc, le Dr. Ned a perdu. Les courageux chasseurs de l'Arche ont gagné. Et moi aussi. Quoi? Mais t'es même pas dans l'histoire. Quoi? Allez, tu dors. Bonne nuit. Oui, c'est vraiment, c'est vachement une belle histoire. C'est un petit orphelin. C'est vachement une belle histoire pour endormir les gamins, quoi. 2009. Oh, ça va, c'est récent. Ah, la vache. Attends, il y a encore des ennemis. Plus calme. Alors, c'est un peu Noël. Qu'est-ce qu'on a chopé? Voilà. Le fusil à pompe, il est nul. Le bouclier, il est nul. L'armée, est nulle. C'est nul. Voilà. Il y a tout. C'est tout. Et du coup, cerveau. Du coup, on va aller tout là-bas pour les sortir et pour aller rendre les quêtes. Okay. Yo. Ça fait schlock quand tu sautes dans l'eau. Et je pense qu'on va sortir par par l'infirmerie. D'accord. Par la maison là, en fait, je pense. Je dis pas de bêtises. Non, pas du tout. Et, ah oui, tu ressors juste vers un petit trou, quoi. Bah du coup, je pense qu'on peut aller rendre la quête et puis on arrêtera là. Hein. Oui, alors attends, parce que là, je suis... Ouais, tu en charges. Ah, je suis là, d'accord, ok. Il était pas mal, hein, le boss. C'est franchement, ouais, quand on l'a défoncé la première fois, j'ai eu peur, mais non, mais c'est pas... J'espère que c'est pas vraiment ce boss-là. Que je veux bien là, les quêtes secondaires, elles sont finies. Quêtes secondaires, on en a. On arrose et on les crève. Ouais, après, il y en a pas beaucoup. Hein. Je sais pas si on va peut-être en débloquer une ou deux avec cette quête-là, mais normalement, oui. C'est comme si on était toute une équipe. Donc, du coup, ma théorie sur les tourelles qui vont nous attaquer, c'est invalidée. Alors, le tableau des primes, c'est reparti pour un tour, il n'y avait plus que cette quête-là. Donc voilà, vous avez rayé ces 4-là du registre personnel, en espérant... Voilà. Et bah c'est bon, voilà, il n'y a plus de quête. Il n'y a plus du tout de quête. Pour le DLC, c'est fini. Après, c'est un petit DLC. Hein. Il y a... Tenez votre position à jamais. Oh non, elle fait que 105 de dégâts aussi, l'arme, elle est nulle. Attends, j'ai un panneau. T'as quoi? T'as peut-être pas vendu pour moi. Oui, normalement c'est bon. Je sais pas, sur la carte, j'ai un point ici. Et je peux pas cliquer sur eux donc. Tu as un point sur ta carte? Non, c'est bon, je suis un... C'est bizarre ça.
Bah c'est tout bon. Du coup, le prochain DLC. Normalement, on va spawn au prochain DLC. Du coup, attends, je vais nous TP à New Haven. Attends, pas de suite. Oh, ouais, tu me diras pas ça. Mais je vais nous TP au. À New. Pas New Haven. Si, New Haven. Comme ça. Ah oui, non. Viens, Jake. Par ici. T'es où? Tu remontes pour ressortir. Tu te souviens que je disais il faut qu'on passe par là après? C'est pas leur jour. Parce qu'il y a une caisse d'armes et une caisse rouge. Ah. J'adore ça. Là elle est cachée. Il y a la caisse d'armes qui est là. Qu'elle était cachée. Super. Je m'y attendais pas. Il faut des dégâts de pourri. Et là, par contre, il faut faire du parcours. Oh punaise. Ça passe. Et on a la caisse rouge. J'ai encore de la place. Ouh. Oh, bah alors, il est... Je sais pas si pour toi. C'est... Tu le veux ou pas? Tu peux le prendre. Moi, je m'en fous. Et du coup, là, on refait. Non, je suis tombé. Alors, si t'arrives à re-sauter sur le pont, faudra nous TP à New Haven. Sinon, faut attendre que je fasse tout le tour. Attends. Est-ce que tu vas réussir? Je suis sur le pont. Ah, vas-y. Du coup, tu peux retourner tout début de la zone. Et sur le TP, il faut aller à New Haven. Oui. Alors, attends. Il va falloir me guider à partir de Jacob's Cave. Non, en arrière. En arrière. En arrière. En arrière, je veux dire. En arrière. Tu retournes en arrière. Là, ici, là. Vas-y, tu remontes. Là, tu vas à gauche. À gauche. Non, déjà j'étais de côté. Donc là, voilà, tu remontes, tu vas sur ta gauche. Ok. Tu remontes tout à gauche. Tout à gauche, vas-y. Et là, je cours. Et tu cours. Cible touchée. Voilà, et tu remontes tout. T'as besoin, parce que je me fais attaquer par les zombies. Et là, tu remontes encore. Je t'ai dit, j'allais faire le GPS aujourd'hui. Ouais. Donc là, tu montes. Et là, à droite. Tu lui dis, remonte encore, remonte encore. Et là, oui, ce sera sur ta droite. Et. Ouais. Donc, New Haven. Et New Haven. T'es prêt? Oui. Et comme ça, on aura, au moins on sera pas embêté. Et au moins, on se spoil pas le prochain DLC. Parce que sinon, en fait, là, on aurait dû refaire le chemin inverse. Mm-hmm. Et le prochain DLC sera l'Underdome. L'Underdome. Ou le Dome. Ouais, et qui consistera à survivre à des vagues d'ennemis de plus en plus dures. Pour avoir Moxie en tant que femme. D'accord. Et de l'argent et du pognon. Et techniquement, dans le lore de Borderlands, c'est Mordecai, donc ton perso, qui gagnera l'Underdome. D'accord. Puisque grâce à ça, il se mariera avec Moxie. Ils divorceront après, mais dans Borderlands 2, ils en parlent. En gros, dans Borderlands 2, t'as Mordecai qui dit, qui parle avec Moxie, qui dit « Ouais, ça fait longtemps depuis l'Underdome, ils étaient ensemble. » D'accord. Et notre cher Scooter que tu vois là-bas, c'est le fils à Moxie. D'accord. Et elle a également une fille... qui s'appelle Ellie, et qui n'est pas du tout de la même morphologie qu'elle. Tu comprendras dans Borderlands. Alors, est-ce que... Les clés. Faible régénération. Oh, la grenade! Ah oui. Vas-y, hein. Moi je prends le bouclier. Attends.
Alors, c'est génial. Bah pourri, pourri. Bah prends-en. Allez, encore une. Alors, c'est le fusil à pompe, ouais. Il m'intéresse. Vas-y, prends. Et l'autre fusil à pompe, il m'intéresse pas. Et après, on finit sur notre duel, comme ça, sur un chiffre rond. Mmh. Alors, soit. Super. Ouais, bah, je m'y attendais pas. Non, aucune. Okay. Alors. Tout est à la boutique. Ouais. Et on finit sur notre fameux duel de Fame. Et hop. Du coup, il faut que je passe mon bouclier. Alors, attends, jusqu'au bout qu'il se régénère. Et c'est parti. Are you ready? Non. Oui. Tu crois que je vais te V. Ça te servira d'entraînement. Oh le punaise. Ah oui, je recharge très lentement avec Snake. Je t'ai pas tiré une seule fois. Et au moment où il dit ça, comme par hasard! Ah ouais, je t'ai fait super mal hein, mais, en mais fait. Oui, mais c'est normal, tu fais combien de dégâts? Je sais pas. Bah, fais table. Sur le snipe, j'ai 554 de dégâts. 554? Moi, il fait 437, et t'as combien de dégâts en pourcentage en plus? De dégâts en pourcentage en plus? Normalement, t'as pas de dégâts plus autant. Ah, en dessous, dégâts 40. Oui, voilà, donc, dégâts critiques plus 250. Et sachant que avec ton talent. À travers les boucliers, ouais. Ouais, pardon. Allez, viens, vous croyez à la hauteur. Ouais. Il se rapproche de moi pour me viser. Le dernier. Jake va s'en. Le dernier, alors attends. Mais je veux mettre. Ah voilà. Attends, faut attendre un peu. Parce qu'on a fait trop de demandes en duel. Qui va pas aimer. Alors. Ouais, il t'a répondu à ma demande en duel, mais ça veut pas. C'est parti! Attends. Hey, t'es prêt à y aller? Je vais m'autoriser. Vas-y, Jack. Tu vas? Attends, là c'est juste pour annuler la demande de duel. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. On verra qui s'en sort le mieux. D'accord. En fait, pour le lance-roquette, le mieux c'est que tu sautes et tu vises sous les pieds. Tu vois, genre là, moi je vise vraiment, quand je fais ça, tu sautes et tu vises vraiment sous les pieds de ton adversaire en fait. Quand tu veux. Il va te falloir beaucoup de chance. Tu sais que j'allais faire pareil. Je m'en doutais. J'allais sauter et lancer ma compétence d'action. Je m'en doutais. Bon. Et bien voilà. Alors. Je te laisse. Partir. Ouais, avant. Mais je prépare les munitions pour la prochaine fois. Vas-y, y'a pas de soucis. Il me dit quand c'est. Pendant, tu peux. Et du coup, prochain donc DLC. Je quitte et ça y va, on est d'accord. Ouais. Hop, donc c'est tout bon. Et c'est tout bon ici. Et hop, j'attends juste que j'ai le retour. On est bon. Et ben voilà, du coup on a fini le premier DLC de Borderlands 1. Il reste encore 3 à faire. Donc le prochain de mémoire, il est pas très long.
Il est comme le docteur Ned. Par contre, l'armurerie du général Knox, lui, il est un peu plus long. Donc lui, ce sera sûr en 2 streams. Donc c'est pas mal. Et le dernier, c'est le plus marrant. C'est la révolution du robot ninja. D'accord. Oui, c'est Claptrap. Ben, je sais pas si tu te souviens, mais à la fin de l'histoire principale, on voit que Claptrap, il devient... il a les yeux rouges, en fait. Et oui. il se transforme en ninja interplanétaire. Ah oui, tu me l'avais dit. Ouais. Et du coup, bah, dans le dernier DLC, on va devoir l'arrêter parce qu'il devient trop méchant. Enfin, voilà. Du coup, messieurs, dames du chat ou sur la VOD, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. Nous rejoindre sur notre Discord pour avoir nos actualités et venir faire coucou. Hein. Nous suivre sur Twitch et vous abonner si l'envie vous vient. C'était Draken et Jack. On vous souhaite une bonne soirée. Cordialement, à bisous. Vendredi soir. Et ah oui, c'est vrai, j'ai pas dit le planning. Oula, attendez. Ah bah attends, je te le dis. Il y a du Zelda jeudi matin, vendredi matin. Zelda Skyward Sword jeudi après-midi. Indo vous proposera The Room, un point and click avec des énigmes. Et vendredi soir, on se retrouve sur le DLC de Borderlands. Et voilà. Donc du coup, n'hésitez pas à... Donc pour ceux qui regardent la VOD, vous aurez tout ça sur YouTube. Et bonne soirée à toi Mathéo, et merci de nous avoir aidé pour le stream. Ouais. Du coup, cordialement, bisous. Ciao.